Les terriens du dimanche, très heureux de vous retrouver. Je sais que la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission, il faut le dire à nos amis téléspectateurs, mais il y a un best-of avec le meilleur des terriens du dimanche, mais maintenant. Plus prestigieux que les Oscars, plus méchant que les Gérard, plus drôle que les Césars, plus sexy que les Hôtes d'Or, c'est le prix Goldnadel du bisounours de la semaine. Après délibération, dans un climat de franche camaraderie, le prix Bisounours est accordé à Marlène Schiappa. Ah. Et pourquoi elle ? Eh bien, parce qu'elle a considéré, dans les colonnes de Valeurs Actuelles, que sans mettre dans le même camp la manif pour tous et le terrorisme islamiste, il existait quand même, et elle voulait le souligner, des convergences idéologiques. En tous les cas, il y en a un que ça a mis en rogne, c'est Alain Finkielkraut. Vous regardez et après je décrète. Dans un entretien à Valeurs Actuelles, Marlène Schiappa affirme qu'il y a une convergence idéologique entre l'extrême droite et les islamistes. Et elle ajoute, elle précise, une convergence entre la manif pour tous et les terroristes. C'est ignoble. Unis selon... C'est ignoble. Ignoble. La manif pour tous, c'est ce qu'ils veulent. Ils auraient voulu que mes agresseurs, ce soit la manif pour tous. Qu'ils soient à la fois contre l'avortement et contre moi. Mais c'est complètement dingue. Et je voudrais signaler, rien pour enfoncer le clou, qu'aujourd'hui, en France, des églises sont profanées. Des agressions antichrétiennes augmentent. Et on n'en parle pas. Et imaginez que si c'est des écoles, des synagogues étaient profanées, tout le monde en parlerait. Or, c'est aussi grave. Et non, mais cette idée est complètement folle. Ah ouais. Ouais. Oui, moi je ne suis pas sur le terrain de la colère comme Finky, je suis sur le terrain de la résignation. Nous sommes au siècle du relativisme absolu et Madame Schiappa est l'enfant gâté du siècle qui a été pourri par le relativisme absolu. Tout se vaut. Tout se veut. On ne peut pas dire que Ardisson, c'est l'égal de Dutroux, mais il y a quand même des équivalences. On ne peut pas dire, que Goldnadel, c'est kiff-kiff avec Goebbels, mais il y a quand même des ressemblances. Je ne me laisserai pas à dire que Poutine, c'est l'égal de Staline, mais la rime est troublante. Et donc, il a fallu que Marlène Schiappa relativise le terrorisme islamiste qui est pourtant actuellement le mal absolu puisqu'il assassine aveuglément des gens innocents. Mais il n'était pas question de laisser le palmarium uniquement aux musulmans radicaux. Il fallait le faire rejoindre par le catholique intégral. Et donc, Finky n'a pas tort de penser que beaucoup auraient préféré que son agresseur soit un catholique intégriste. Caramba, c'est raté, c'est encore un salafiste. Et de la même manière, il n'a pas tort de considérer qu'on a minimisé la profanation des églises. J'ai moi-même écrit qu'on avait mis une croix dessus. Cela étant, il faut relativiser le relativisme schiappesque. À chaque fois qu'on le pratique maintenant, on trouve ça grotesque. Oh là là. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Un mon petit bisou non, s'il adore les bisous. Et maintenant, j'accueille le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi. Bonsoir. Bonsoir. Vous mettez l'escalier, ça va, vous vous y faites ? Ça va, je m'y fais, pas de barrière, c'est pas trop dans les normes, mais ah pas ouais, de problème. C'est complètement illégal, je suis d'accord avec vous. Alors, comme tous les invités de cette émission, vous avez un slogan. Votre slogan, c'est l'homme le plus connecté du gouvernement. Ouais, je suis celui qui passe peut-être le plus de temps chaque soir, chaque jour sur Internet, donc voilà, oui, pourquoi pas. Le plus pas. Connecté. Vous avez un sampleur de Daft Punk. Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop formatted. Technologic. Voilà, ça vous va? Ça me va très bien, je suis très ouvert musicalement. Alors, qui êtes-vous, Mounir Majoubi, Magnéto Serge?
Comment, en 5 ans, on fait de la France le champion du numérique au service des humains? Je suis aussi extrêmement investi à Paris avec La République En Marche parce que je veux que nous offrions aux Parisiens un avenir. On parle trop des violences et des manifestations et plus assez des revendications sincères qui étaient les leurs. On n'a jamais eu autant d'actes de harcèlement. Quand quelqu'un publie ça, il faut qu'il sache que nous le retrouverons. Sa chanson préférée. Ça vous plaît, ça? Ça me plaît beaucoup. Ben voilà, c'est pour vous faire plaisir. Je vois que c'est réussi. Merci. Alors, la semaine dernière, vous avez dévoilé un plan d'action avec Marlène Schiappa pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux. Concrètement, comment comptez-vous vous y prendre? C'est une mission impossible, quand même, non? Il y a deux choses. La première, c'est identifier ceux qui publient ces contenus de haine. Il n'y a jamais eu autant de contenus de haine sur Internet. Il n'y a jamais eu autant de victimes. Et parce qu'il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette question? C'est qu'aujourd'hui, on a 100% des 18-25 ans qui ont un smartphone connecté toute la journée dans leur poche. Bah, le risque, il est absolu. C'est toute une génération qui subit tout ça. Et encore plus de Français qui, chaque jour, découvrent Internet pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. Donc, il faut qu'on soit mieux capable d'identifier. Et donc, dans ce plan d'action, on va obliger les plateformes à être plus collaboratives avec les services de police pendant les enquêtes, avec la justice, pendant les enquêtes, pour mieux identifier. Vous savez, c'est un moyen technique, mais c'est obtenir l'adresse IP d'un pseudo. Aujourd'hui, Twitter peut mettre plusieurs heures à plusieurs mois avant de donner l'adresse IP à un enquêteur. Bien sûr, le deuxième chose qu'il faut faire, c'est que ces contenus disparaissent. Parce que chaque minute où le contenu il reste en ligne, c'est la victime qui continue à subir un préjudice. Vous allez et c'est tous les gens qui sont sur Internet qui le subissent. J'imagine que vous allez faire comme en Allemagne, c'est-à-dire que vous allez taxer très fort ces gens-là. Deux choses. Un million d'euros, mettez-leur un million d'euros. Beaucoup plus. Voilà. Comme les Allemands, mais attention, il ne suffit pas simplement de faire comme on fait les Allemands, c'est-à-dire de dire, à chaque fois que vous n'aurez pas retiré un contenu, on vous fait payer une amende de 50 millions. Il faut aussi créer des obligations avant. Il faut que ces plateformes, elles créent par exemple leurs règles de modération de façon plus ouverte. Aujourd'hui, vous savez, c'est tous les 6 mois, le patron de Twitter qui publie un tweet en disant, au fait, by the way, ce sont les nouvelles règles de la communauté. Et c'est lui qui décide ce qui est acceptable ou pas acceptable sur Twitter. Aujourd'hui, ces règles, c'est pas à eux de le décider tout seul. Ils considèrent que la nudité, c'est le tabou le plus absolu. Là, ils mobilisent plein de moyens pour supprimer tous les contenus avec de la nudité. Par contre, dès qu'il s'agit de rentrer dans les nuances de l'antisémitisme, dans les nuances du racisme, dans les nuances du harcèlement, là où il faut accepter qu'il y ait des vrais êtres humains pour analyser le contenu, ces plateformes, il faut qu'elles mettent des moyens, il faut que ce soit évalué, il faut qu'il y ait des sanctions si jamais ça n'est pas mis en place. Alors, une question simple, pourquoi ne fermez-vous pas les sites de Dieudonné et de Soral? C'est des gens qui, depuis 10-15 ans, déversent une haine incommensurable sur les Juifs et autre chose. Pourquoi est-ce que vous ne fermez pas leurs sites? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de droit et donc c'est les juges qui les condamnent. Non, mais laissez-moi jusqu'au bout. Si on est dans un état de droit, on n'a pas le droit de dire ce qu'ils disent sur les Juifs, par exemple. Tout à fait. Et à chaque fois qu'il y a eu des poursuites, ils ont été condamnés, à chaque fois qu'ils ont franchi la ligne. Vous savez comment ils fonctionnent, ces deux-là? Ils marchent toujours sur la frontière. Une fois sur 10, ils passent de l'autre côté, ils se font condamner. Natacha. Le combat contre Soral et Dieudonné est beaucoup plus complexe que ça. Ah bon? Dans la mesure où ça fait des années qu'ils ont gangréné toute une part des réseaux sociaux, qu'ils gagnent des publics dans les banlieues. Donc, il aurait fallu agir tout de suite. Là, maintenant, il y a une imprégnation de certains esprits. Il suffit de voir la facilité avec laquelle certains font des quenelles en expliquant que non, c'est pas du tout antisémite, c'est juste un geste anti-système. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire croire que quand on était révolté contre le système, on était de leur côté. Donc ça ne se combattra pas en fermant leur site. Ils apparaîtront comme des martyrs et on renforcera leur aura. Donc c'est un combat idéologique, c'est un combat culturel. La question est, la fermeté sera toujours absolue sur ceux qui prônent la haine, mais vous l'avez répété, Madame Polony, la gangrène, elle est partout. Et parler à n'importe quel professeur dans un quartier populaire, ces gens-là n'ont pas fait que disséminer la haine, ils ont aussi disséminé le doute. Ils sont les premiers à diffuser
diffuser toutes ces fake news, à diffuser toutes ces théories du complot, à construire un monde alternatif qui est beaucoup plus facile à accepter, beaucoup plus facile à lire que la réalité complexe du monde dans lequel on vit. Monia, un mot. Monia Majoubi, là on parlait de la haine virtuelle, moi j'aimerais parler de la haine dans nos rues. Ouais. La semaine dernière, on a reçu Lies Alouane qui est venu sur ce plateau nous parler des agressions dont il était victime parce qu'il est gay en banlieue. Et vous, cette semaine, vous avez déclaré que vous aussi, vous avez reçu des coups, des gifles à cause de votre homosexualité. Je voulais savoir si c'était vrai en fait. Mais vous savez, c'est la vie absolument normale d'un jeune garçon qui vit dans un quartier populaire et qui est homosexuel, et c'est ça qui est absolument inacceptable. Non, mais moi je parlais de vous là. Mais je parle de moi aussi en vous disant ça. Ouais. Et dans le quartier où j'ai grandi, quand vous n'étiez pas complètement parfaitement viril, et Eddie Depreto le décrit assez bien dans ses chansons, vous vous en prenez plein la gueule. Donc j'en suis pris plein la gueule au collège, j'en suis pris plein la gueule à l'école primaire, et aussi dans la rue. Bon, mais... maintenant, on passe aux une de la semaine. Alors Mounir, maintenant les mercenaires vont vous présenter chacun leur une de la semaine. Ils ont à peu près une minute pour la présenter. C'est vous qui jugerez à la fin. C'est-à-dire quand vous verrez toutes les unes devant vous, vous serez comme devant un kiosque et vous direz laquelle vous préférez. Raquel, donc votre une a gagné la semaine dernière. Vous avez droit à 1 minute 30. Alexandre Benalla a été placé en détention provisoire. Une décision qui risque d'avoir des conséquences politiques directes. Benalla, KO, l'Elysée à chaud. C'est votre une, Raquel. Vous avez 1 minute 30 secondes. Top chrono. Semaine chargée pour l'affaire Benalla, puisque Alexandre Benalla d'abord dort en prison, dans la mesure où son contrôle judiciaire a été révoqué suite à la violation des conditions de ce contrôle judiciaire. Et surtout, la commission d'enquête du Sénat a finalement rendu son rapport, hein, 10 mois après l'affaire de la contre-escarpe. Il a émis un certain nombre de préconisations contre ce qu'il considère être des dysfonctionnements de l'État. Et s'agissant des auditions elles-mêmes, la commission a souligné que certaines personnes auditionnées ont menti, ont omis des informations, retenu des informations, se sont contredits. Et ça concerne pas seulement Alexandre Benalla et Vincent Crase, dont la commission dit carrément qu'ils ont fait des faux témoignages, mais aussi des très proches du président Macron, Alexis Kohler, le secrétaire général notamment, et Patrick Strada, le directeur de cabinet. Donc en fait, on voit bien que des individus ont cherché à défendre les intérêts, l'intérêt du prince, l'intérêt du président, et quitte à finalement empêcher que le Parlement fasse son travail de contrôle. Est-ce qu'on peut être surpris de ça ? Non, parce que c'est le fonctionnement de la monarchie présidentielle. Et tant qu'on aura les institutions actuelles, vous aurez des gens qui concentreront tout le pouvoir et le secret 8, au, champ, au, au 7, niveau de l'Élysée. Ah ben voilà, vous avez, alors je vous le dis, vous avez 5 secondes la semaine prochaine. Alors maintenant, Mounir, voilà, vous êtes emmerdé. Non, vous êtes emmerdé. Mais parce, pourquoi je suis emmerdé, je vais vous le dire. Ce monsieur, il n'a pas été élu par les Français. Ce monsieur, c'est pas celui pour qui on a voté. Benalla, est-ce que Benalla a décidé de consacrer sa vie à changer la vie des autres? Est-ce qu'il a tout risqué? Non! Donc maintenant, il faut qu'un juge puisse enquêter, il faut que ce monsieur puisse être jugé, et il faut que ça aille jusqu'au bout. Moi, chaque jour, je découvre dans ses chroniques ce qui a pu être fait. Comment vous voulez que... Je ne suis pas là pour le défendre, je ne suis pas là pour dire que c'est formidable. Je ne partage pas votre analyse, je ne crois pas que ce soit le fruit d'un fait princier ou d'autre chose. Je trouve que cette histoire a pris trop de place, je trouve que cette histoire, elle nous empêche. D'accord. Elle nous empêche d'avoir les justes débats. Mounir. Vous avez vu les débats dont on parle, et oui, on parle de ça. D'accord, je veux bien que ce soit débats. Pas le plus important actuellement, mais quand on a notre bien-aimé président de la République qui dit « c'est moi le responsable, venez me chercher », bah on va aller le chercher peut-être, non? Vous savez, on est dans un état de droit. Il n'y a pas beaucoup d'états dans le monde où on aurait les deux assemblées qui ont pu mener toutes les enquêtes qu'elles souhaitaient, qu'on a plusieurs juges saisis. Sauf que ce qu'a déclaré le Sénat, des enquêteurs qui sont capables aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Mais vous savez, j'ai sauf que Nicole Belloubet dit que le Sénat n'est pas légitime pour s'occuper de l'Élysée. Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un ne s'est pas présenté au Sénat? Est-ce que vous avez l'impression que on a essayé d'empêcher de faire émerger la vérité? Si, c'est précisément ce que dit la commission, c'est que les personnes sont venues et qu'elles ont retenu des informations qui étaient décisives pour la manifestation de la vérité. Donc, pardonnez-moi, si vous avez le... Oui, voilà. Mais c'est quand même se foutre de la gueule du monde d'y aller et ensuite retenir les informations, se contredire. Voilà. Et c'est quand même Alexis... Voilà, mentir sous serment, se parjurer. Mais voilà, il est coupable de parjure. Parjure à la tête de l'État. Ce qui n'est pas le cas de Macron, c'est-à-dire que ça ressemble pas encore au Watergate, je suis désolé. Non, mais... On va nous faire de cette histoire au Watergate. William, juste un mot quand même, il y a une bonne nouvelle cette semaine.
c'est que la fameuse affaire du coffre. Oui. Moi, j'ai oui, jamais ça y est, compris. C'est fait. J'ai jamais compris pourquoi. Benalla avait pu sortir le coffre de chez lui pendant la nuit. Enfin, c'est vous fou. Connaissez l'affaire. On connaît. Le parquet n'avait pas... Ça y est. C'était en juillet, il se réveille en février. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ? C'est une nouvelle, bonne nouvelle un peu tardive. Voilà, on est bien d'accord. Donc, c'est grâce à l'action des parlementaires. Hein, l'histoire du coffre va être élucidée parce que... Parce qu'on a une justice libre et indépendante qui ira jusqu'au bout. Franchement, mais là, le parquet, je ne suis pas sûr qu'il soit... Sur l'histoire du coffre, oui. Bien. On passe à la une de Pierre Licia. En Antarctique, la fonte d'un glacier qui fait l'équivalent d'un quart de la France pourrait entraîner une montée du niveau des océans de plus de 3 mètres. Le glacier qui fait déborder le vase, c'est votre une. Pierre, vous avez une minute, top chrono. C'est une information qui, selon moi, devrait tous nous préoccuper, en tout cas plus que Benalla, mais elle est restée assez confidentielle. Que se passe-t-il en Antarctique en ce moment ? Le glacier Thwaites, c'est son nom, menace de se détacher du continent. Pour comprendre, c'est la taille de la Floride, c'est un quart de la France, c'est 120 km de large, 600 km de long et surtout 3 km de profondeur. Sous l'effet du réchauffement climatique, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'eau chaude qui passe sous le glacier, qui s'engouffre sous la glace, qui ronge le glacier et qui menace de le faire céder, de le faire détacher. Conséquence pour la planète, c'est dramatique parce que c'est, vous l'avez dit, 3 mètres de hausse générale du niveau des océans. 3 mètres, c'est des territoires entiers qui sont engloutis, c'est des villes qui sont rayées de la carte, c'est New York les pieds dans l'eau, c'est Amsterdam sous l'eau, c'est des centaines de millions de personnes qui seront réfugiés climatiques, qui seront déplacés. Le mouvement, selon les scientifiques, est inéluctable. La question, c'est plus de savoir si la catastrophe aura lieu, mais quand. Hé, vous êtes pile sur la minute. Mais ça va arriver quand, ça ? Alors, viens de te dire qui sait pas. Les scientifiques eux-mêmes ne savent pas. Et si vous avez un bloc de glace qui est à la dérive, il rejoint des mers un peu plus chaudes et ils font. Et l'eau monte. Et l'eau monte. On se retrouve après la pub pour la suite et une de la semaine avec le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi. A tout de suite. Rebonsoir, les Terriens du Dimanche. Nous sommes toujours dans le Bifort, les Terriens du Dimanche, en compagnie des mercenaires et du secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi. On continue les unes de la semaine. Alors c'est la une de Natacha, 1 minute 7. Un livre choc sur l'homosexualité au Vatican fait scandale. Il s'appelle Sodoma. Il a été écrit par le journaliste et universitaire Frédéric Martel. Il paraît aux éditions Robert Laffont. Vatican, le grand placard, c'est votre une, Natacha, 1 minute 7 secondes. Top chrono. Alors, qui a dit « l'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui doit faire l'objet d'un discernement adéquat chez les candidats à la prêtrise ou à la vie religieuse ?» C'est un pape. Eh bien, c'est le pape François. Bah, et oui. Il ajoute « c'est quelque chose qui m'inquiète ». Sauf que si on écoute bien le pape François, ça revient très souvent. Et quand on lit le livre de Frédéric Martel, on comprend pourquoi Vatican, c'est une cage aux folles. Alors, c'est pas seulement des petites anecdotes sur les déviances de quelques personnes. Non, c'est un réseau de pouvoir contre lequel le pape François est en train de se battre. Et on relit dans ce livre toute l'histoire récente de l'Église, les scandales sous le pontificat de Jean-Paul II, la démission de Benoît XVI. En fait, derrière, il y a cette dimension de l'homosexualité qui est omniprésente. Frédéric Martel parle d'un mensonge d'État, c'est-à-dire que, en fait, c'est une façon d'orienter toutes les décisions, d'inciter à l'hypocrisie. Cela trouble absolument toutes les relations. Le pape François a dit « Qui sommes-nous pour juger à propos de l'homosexualité ?» Mais surtout, il se bat contre la curie. Oh là là, pile. Bravo. Pour continuer à en parler, j'accueille Frédéric Martel. Frédéric Martel, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous publiez donc ce demain aux éditions Robert Laffont. Nous avons enquêté pendant 4 ans sur l'homosexualité au Vatican. On va en parler, c'est l'heure du témoin de la semaine.
Alors Frédéric Martel, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur d'un livre qui avait été très remarqué, Le Rose et le Noir, un autre mainstream, mais Le Rose et le Noir déjà enquêtait sur l'homosexualité. Là, vous êtes allé au cœur du Vatican et c'est un véritable travail de fourmi que vous avez fait. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on construit une telle enquête que personne d'autre que vous n'a réussi à faire? Et je précise ma question. Vous êtes homosexuel, assumé totalement. Qu'est-ce que ça change quand on fait une enquête comme celle-là? C'est évidemment une des clés d'enquête. À partir du moment où vous partagez, vous avez une empathie avec les personnages de votre livre. Je précise d'ailleurs que pour moi, qu'un cardinal, un évêque, un prêtre soit homosexuel ne me pose aucun problème. Ça devrait être une option parmi d'autres. Donc l'accès se passe notamment par un réseau de prêtres gays et aussi par la suite, grâce à celui-ci, aussi à des gardes suisses, à la prostitution et aussi à un travail que j'ai mené dans une trentaine d'autres pays. On découvre un des plus grands secrets des 50 dernières années, à savoir non pas simplement un lobby gay, il n'y a pas un lobby gay au Vatican. Un lobby, ce serait des gens qui voudraient défendre leur position et qui essaieraient d'obtenir quelque chose en se connaissant entre eux et en étant homosexuels. C'est l'inverse de ça. C'est en fait une communauté, une majorité silencieuse. Et chacun, au fond, ne connaît même pas forcément l'homosexualité de son voisin. Et chacun a comme base de son premier objectif, c'est de cacher son homosexualité aux autres. Et donc, c'est évidemment compliqué d'enquêter et paradoxalement assez facile pour quelqu'un qui connaît les codes de ce qu'on appelle la paroisse. Alors justement, vous racontez, il y a quand même des scènes absolument ahurissantes dans votre livre. On rencontre le cardinal Burke, cardinal américain ultra réactionnaire, qui est entouré de jeunes séminaristes, toujours très beaux, il aime les effets visiblement. On rencontre des gardes suisses qui se font harceler. Et derrière tout ça, c'est un mélange de luxure, de corruption, de la part de ceux très souvent qui ont les discours les plus durs contre l'homosexualité. Et c'est ça qu'on comprend en vous lisant, c'est que finalement, il s'agit avant tout de se cacher et pour se cacher, de construire un mensonge. Oui, c'est même de règles sociologiques. Plus un cardinal est homophobe, plus il a de chances d'être sinon homophile ou homosexuel, au moins dans une difficulté par rapport à sa sexualité. Et en fait, c'est un secret de polichinelle, comme on dit, parce que tout le monde savait ça d'une certaine manière. Depuis longtemps, les vaticanistes me disent « Oui, mais on savait. Comment se fait-il qu'il ne l'ait pas écrit, qu'il ne l'ait pas dit ? Pourquoi ? Parce que si un vaticaniste fait ce livre, son job, il perd son job. Si un Italien fait ce livre, c'est compliqué en Italie. Et vous l'avez dit, lorsqu'un hétérosexuel essaye d'enquêter, il n'a pas les codes, il n'a pas les réseaux pour entrer dans cette machine. C'est pour ça que je l'ai fait, ça prend du temps. C'est un monde compliqué, un monde de rumeurs, un monde aussi avec 50 Shades of Gay, comme je dis, puisque vous avez des pratiquants, des homophiles, vous avez aussi des gens très malheureux, des gens qui souffrent profondément, qui sont, comment dire, non pas simplement dans le placard, ils sont dans une cage enfermée. Mais c'est d'ailleurs, ce que vous montrez, c'est que c'est très lié aussi à ce dogme du célibat des prêtres. C'est-à-dire qu'en fait, le vœu de chasteté attire des jeunes gens qui n'assument pas leur homosexualité et qui, du coup, essayent de la sublimer par cette chasteté. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas le cardinal A, l'évêque B ou le prêtre C. La question, c'est le système. Et ce sont des règles sociologiques. Vous avez un système qui non seulement sélectionne, paradoxalement, alors qu'il déteste l'homosexualité, des homosexuels, qui les promeut en utilisant l'homophobie comme, au fond, une manière de les cacher. Et enfin, au plus vous montez dans la hiérarchie, au plus il y a d'homosexuels. C'est quand même moi, j'en suis tombé de ma chaise. Alors, est-ce que vous ne craignez pas quand même qu'on vous dise, en gros, c'est un règlement de compte contre une église qui tient un discours qui ne plaît pas à la modernité, notamment sur les questions du mariage gay ou autre? Vous savez, c'est pas un livre contre l'Église. S'il y a une critique, c'est d'abord une critique à l'égard de la communauté homosexuelle. Comme je l'avais fait, je crois que vous m'aviez invité à l'époque, il y a 25 ans. Moi, je me souviens, quand on s'est... Ma première émission de télé, je crois, était avec vous. Ouais, ouais. J'étais petit à l'époque. Et c'était aussi une critique aussi, parfois, ça veut pas dire toujours critiquer, mais parfois, on doit aussi critiquer les siens. Et d'une certaine façon, c'est une critique des miens. C'est une critique de la communauté homosexuelle. Mais la question du silence sur les prêtres pédophiles, il est tout de même... est-ce qu'on peut penser que c'est parce qu'ils tiennent leur hiérarchie, parce qu'ils connaissent des choses sur leur hiérarchie qu'ils ont tenu aussi longtemps? Est-ce qu'on peut expliquer ça de cette façon? Alors vous avez raison, c'est mon hypothèse, c'est que
cette homosexualité massive, cette majorité silencieuse, a des effets considérables, non seulement sur la doctrine, depuis au moins Paul VI, mais aussi sur le fonctionnement et toutes sortes de distorsions de l'Église. C'est le cas du préservatif, par exemple, dont l'explication est quand même, au fond, jamais personne n'a compris pourquoi l'Église interdisait le préservatif, qui a quand même tué 35 millions de personnes. Ce n'est pas l'Église qui est responsable de ça, seule, bien sûr, mais disons que sa position sur le préservatif n'a pas aidé. Or, on découvre et je montre que la moitié des cardinaux qui ont pris cette décision avec le pape, la moitié étaient ou homophiles ou homosexuels, et je dirais c'est au minimum. Donc, il y a des effets. S'agissant des abus sexuels, c'est évidemment très complexe. Dans la question de l'Église et de ses abus, il y a une spécificité. C'est qu'à 85%, ces abus sont homosexuels, sont sur des hommes majeurs, souvent des séminaristes, ou sur des garçons mineurs. Et là, c'est là que les choses se compliquent et c'est une analyse complexe. D'abord, vous avez une homosexualité refoulée, sublimée, la haine de soi, qui peut mener, dans certains cas, à des pratiques de ce type. Et puis, vous avez le cover-up. La vraie clé, c'est le cover-up. C'est-à-dire, on couvre les abus pour des raisons qui sont liées à cette culture du secret. Alors, il y a justement une figure qui s'en sort dans votre livre. C'est le pape François, parce qu'on comprend que, contrairement aux autres, non seulement il a eu des propos, je le disais tout à l'heure, qui sommes-nous pour juger, des propos plus tolérants vis-à-vis de l'homosexualité, mais parallèlement, il combat ce qu'il estime être une corruption au sein de la curie, et c'est un combat qui est un combat politique extrêmement violent. Est-ce que vous pensez que les catholiques doivent soutenir le pape François dans cette volonté? Est-ce que ce livre est une façon d'essayer de sauver ce combat, d'inciter tous les catholiques à se mêler de cette histoire? La corruption, le mot dont que vous employez, c'est pas l'homosexualité. La corruption, c'est le mensonge sur cette homosexualité massive. Et au fond, ce pape... Pour être honnête, moi, je ne suis pas catholique, j'ai arrêté d'être catholique à 12 ans, vous voyez, c'est il y a assez longtemps. Je ne l'aimais pas beaucoup à l'origine. C'est un Argentin jésuite, péroniste, comme on dit, et puis, vous savez, pour qui une demi-vérité est aussi un demi-mensonge. Un jour, il est pro-gay, un jour, il est anti-gay. C'est assez compliqué de le suivre. Et puis, j'ai compris peu à peu qu'il était lui-même pris dans un piège. Et ce piège lui est tendu par son opposition d'extrême droite, extrêmement violente, qui lui reproche et lui s'oppose à son libéralisme sexuel, si vous voulez. Or, cette opposition, elle est essentiellement composée d'homophiles et d'homosexuels cachés. Et c'est là où le problème devient gigantesque. C'est abyssale, cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que le pape, au fond, nous le dit. Régulièrement, vous l'avez répété, il parle des rigides qui mènent une double vie. Il attaque les schizophrènes, les hypocrites. Il parle de ceux qui sont autoréférentiels. Il pense à cette opposition. Il sait, il est bien informé, il a compris le système et il essaye de trouver des solutions. Et pour répondre à votre question, je pense, oui, que les catholiques qui veulent non seulement les progressistes, mais aussi même ceux qui sont attachés à la foi, doivent se rendre compte qu'on est aujourd'hui dans une impasse, que cette Église n'a plus de cap et qu'il faut... pour prendre un mot italien, un aggiornamento général. Mounir, la conclusion. Moi, je n'ai pas lu ce livre, mais ce que j'entends, c'est énormément de violence, de douleur, mais surtout le reflet d'un monde terminé, d'un monde qui doit se terminer. C'est-à-dire que le système que vous dénoncez, c'est un système qui ne va pas avec le monde tel qu'on est en train de le vivre. On parlait des accélérations de ce monde, de la plus grande transparence, d'une aspiration à une plus grande liberté, mais aussi au fait qu'on appartient à des communautés toutes différentes ou parfois à plusieurs. Ce que vous décrivez est terrible. J'espère que ce livre, c'est l'annonce de la fin. J'espère que c'est l'annonce d'autre chose. D'une certaine manière, vous avez raison, ils ne vivent pas dans le monde aujourd'hui. Mais il faut bien voir que ces cardinaux ont 80, 85, 90 ans. Moi, j'ai fait des interviews avec des cardinaux de 94 ans. Et évidemment, ils sont dans l'homosexualité des années 40, des années 50. C'est ça, le problème. Et pour les décrypter, il m'a fallu utiliser les codes de cette époque. Je suis de la paroisse. Il est pratiquant. La manière dont il fonctionne, c'est celle des homophiles de cette époque, de la double vie, des cancans, des médisances aussi, qui sont celles de l'homosexualité d'avant la libération homosexuelle. Donc si on va au Vatican et on se met sur l'appli Grindr, l'appli, elle explose, c'est ça? Pas exactement, parce que vous savez, souvent, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas d'ordinateur. Il y en a, il fallait que je leur envoie des fax que finalement, ils photocopiaient et on me renvoyait en les scannant. Merci. Le livre est extraordinaire. Il n'y a qu'une chose qu'on peut dire, c'est qu'il est temps que Jésus revienne. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Et au de la croix, dit que nous
un chemin, toi qui me connais si bien. Vous restez avec nous. Mardi dernier, les Français se sont mobilisés pour se révolter contre les actes antisémites. Les hommes politiques ont réagi. Magnéto Serge. Se rassembler, c'est nécessaire. Ça n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire pour dénoncer ce qui n'est pas acceptable. Ça suffit les croix gammées, ça suffit les profanations de cimetières, ça suffit les insultes, les agressions contre les Juifs de France. L'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de tous les Français. Un certain nombre d'individus provoquent, insultent l'autorité de l'État. L'État doit répondre. Voilà, une marche de plus pour rien. C'est votre une, Gilles-William Golnadel. Ben oui. Vous avez 1 minute 26 secondes. Ben oui. Top chrono. Oui, parce que je ne marche plus en ce qui me concerne. Vous n'y êtes pas allé mardi? J'y suis pas allé. Il n'était pas question d'y aller parce que cette manif, contrairement à la manif pour Mme Knoll, n'était pas une manif unitaire. Et beaucoup de gens, dont Fine Kielkraut, ont dit que c'était un tort. Moi aussi. Il n'y avait pas ni le Rassemblement national et ni Debout la France. Or, du coup, puisqu'elle était sélective, j'ai regardé qui avait été sélectionné, et j'ai vu qu'il y avait le Parti communiste français, qui fait une cour éhontée aux islamistes antisémites dans les quartiers. J'aurais cautionné ça, ces gens qui viennent dans la manifestation pour obtenir l'absolution. Je sais que c'est une vérité très urticante, comme toutes les réalités, mais le clientélisme des maires de banlieue... existe, bien. Ah, il existe, c'est incontestable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, je répète encore une fois, depuis la libération, tous les massacres ou les assassinats de juifs ont été commis par des islamistes radicaux. Ça ne plaît pas et c'est ainsi. Donc moi, il n'est pas question que je cautionne cela. Je ne participe plus au psychodrame et je n'ai plus confiance dans les pompiers pyromanes. Ouais, putain, vous avez 7 secondes pour la semaine prochaine. C'est bon, hein? Vous n'y étiez pas, vous? Je n'y étais pas parce que j'étais au Japon, mais j'ai transmis un message à beaucoup de ceux qui étaient présents ce jour-là. Et j'étais au dîner du CRIF, et le message du président, il est clair. Il faut nommer les choses. Vous avez raison, il faut qu'on nomme l'islamisme radical qui est dans les quartiers. Il faut nommer ce qu'est devenu l'antisémitisme aujourd'hui en France. Il faut poursuivre. On n'a pas assez poursuivi ces dernières années. Poursuivre, ça veut dire démarrer les enquêtes à partir de toutes les plaintes. Et il faut qu'on facilite les plaintes. Demain, on pourra porter plainte parce qu'on s'est fait insulter dans la rue et ces plaintes, elles seront suivies. Tout de suite, il faut... pas 3 ans après. Non, et on pourra porter plainte en ligne, chez soi, entouré par ceux qu'on aime, pour faire un moment qui est très dur, qui est de signaler. Et ensuite, il faut punir très fort. Il ne faut pas avoir honte de punir, de faire des exemples. Et puis après, il faut éduquer. Tout naît à l'école, tout naît quand on est encore capable de permettre à certains d'exprimer ce qu'ils entendent d'ailleurs, d'exprimer ce qu'ils ont en eux, pour éviter d'en arriver. Mounir, très bien, le président a dit ça, c'est très bien. Quand Bensoussan a sorti les territoires perdus de la République, en parlant de l'islamisme en banlieue. Il a été ostracisé. Alors aujourd'hui, tout le monde dit « Oui, il y a de l'islamisme en banlieue ». J'ai même entendu Benoît Hamon cette semaine s'en apercevoir sur Europe 1. Voilà, c'est tout. C'est mon avis. Et maintenant, on continue avec le couturier Karl Lagerfeld, donc le directeur artistique de Chanel, qui est mort à l'âge de 85 ans. Enfin, c'est ce qu'il disait. Il était venu au dîner 93 Faubourg Saint-Honoré. Magnéto Serge. Karl, est-ce que vous allez faire votre autobiographie, vos mémoires? Oui, mais je peux la faire qu'après ma mort, parce qu'il y a des gens que je ne peux pas citer, et puis il y a une histoire X dans ma vie qui fait que je ne peux pas avant. Ah, donc 50 ans après la mort? Non, 50 ans, non. Vous allez dicter vos mémoires de non, non, j'écris très bien moi-même. Vous écrivez? Ah, très bien. En anglais? En anglais, pas en français. Et ce sera publié? Je ne sais pas. Comme Andy Warhol, tu vois, son donc journal. C'est pas vous qui allez venir dans Tout le monde en parle. Non. Je viendrai pour les livres sur les années 5. Mais c'est en anglais, ça ne sera pas traduit, parce que je ne veux pas, je déteste les traductions. Ah oui, vous voulez faire un livre en anglais? Quand j'écris en anglais, c'est pour être en anglais. Et si les gens ne peuvent pas les lire, c'est que ce n'est pas pour eux. Voilà, Karl Lagerfeld. La mort lui va si mal. C'est un très bon titre, Monia. Alors, il y a une minute. Si Karl Lagerfeld parlait aussi vite que Sean Paul, c'est parce que sa maman ne lui accordait que 4 minutes d'attention par jour.
240 secondes d'attention quotidienne qui lui ont suffi à peaufiner son art pour ne pas passer inaperçu. Alors son secret, c'était son charisme et ses charlismes. Les charlismes, c'est les fulgurances de Karl Lagerfeld. Par exemple, quand il dit « Je me souviens d'une créatrice qui disait que ses robes n'étaient portées que par des femmes intelligentes. Évidemment, elle a fait faillite. » Ça, c'est du charlisme. Et quand il s'impose comme prof de diction auprès de Zaya pour la faire passer de l'accent blédard à l'accent italien parce que c'est mieux pour une courtisane, ça, c'est du Karl. Alors Karl Lagerfeld, c'est un visionnaire. C'était le premier à porter le gilet jaune bien avant Laurent Wauquiez. C'était le premier aussi à dénoncer la dangerosité du LBD 40, la preuve. Et pour exprimer mon émotion, j'aimerais me cacher derrière le tweet d'une certaine Mirella. Je cite, « Je suis sous le choc, putain de merde. Non. » Ouais. Ben, c'est parfait. Le rapport d'expertise de l'INRA a révélé qu'un animal abattu sans étourdissement pouvait rester conscient 11 minutes, 660 secondes. C'est votre une, Franz. Top chrono. J'ai jeté un froid. Bon, ouais. Alors, l'abattage rituel, spécialité du judaïsme et de l'islam, ça consiste en fait à tuer la bête, le bovin ou l'ovin en général, en le saignant sans l'étourdir. Bon. Avec le développement du halal, de la mode halal, hein, qui est une invention récente des années 70 ou 80 par les salafistes et les frères musulmans, cette pratique est en train de se répandre à toute vitesse dans les abattoirs. Alors évidemment, la transparence et l'industrie de la viande, ça fait deux, comme chacun sait. On ne sait pas ce qui s'y passe, et on ne sait pas du tout comment nos bêtes sont abattues. En général, on dit qu'un animal sur deux, bovin ou ovin, est tué de cette manière, c'est-à-dire par abattage rituel. Bon. Alors on sait maintenant, grâce à l'INRA, organisation gouvernementale, on sait que la mort intervient au bout de 11 minutes, c'est-à-dire 660 secondes. Évidemment, vous parlez avec n'importe quel boucher ou tueur dans les abattoirs, j'ai toujours entendu ça, il dit, une vache comme ça, ça peut prendre 20 minutes. Ben oui, parce que c'est la circulation artérielle, etc. Et tout simplement, le problème est réglé dans les abattoirs, de toute façon, c'est pas grave, on découpe et on dépiaute tout de suite la bête vivante. Voilà, c'est ça qui se passe en France aujourd'hui. Bon voilà, je suis désolé de vous l'apprendre, mais la semaine prochaine, vous aurez 20 secondes de moins. Bien fait. Oh merde. Mounir, maintenant, vous êtes devant un kiosque. Vous avez les six, une devant vous. Laquelle choisissez-vous ? Évidemment, le glacier. Quand on regarde ces images, on ne peut que pleurer. Donc, c'est toi une ? Mais t'as gagné, mon chat. Donc, bravo, vous avez gagné. Oh, le petit a gagné. Oh, ben, sa maman va être contente, alors. Mon Pierrot. Il a gagné, le Pierrot. Attends, tu peux pas me faire ça, comme ça. Si. Le Pierrot, mon chat, il a gagné le prix. Frédéric Martel. Merci d'avoir été avec nous dans votre livre Sodoma, enquête sur l'homosexualité au Vatican, paraît aux éditions Robert Laffont, mais c'est une sortie mondiale. Hein. Voilà, c'était la ligne de la semaine. Rendez-vous après la pub avec Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, dans le terrien du dimanche, l'émission qui vous permet de vous faire votre opinion. A tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, dans les terriens du dimanche, l'homme le plus connecté du gouvernement, le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi. Gilets jaunes, y a-t-il un risque d'insurrection ? C'est la battle de la semaine, avec un gilet jaune prêt à en découdre. Christophe Chalençon. Puis j'accueillerai un survivant. Alpha Kaba a été vendu comme esclave. Il nous racontera son voyage au bout de l'enfer. Le croisement entre Rocco Siffredi et la Compagnie Créole sera avec nous. Le chanteur Francky Vincent. Et aussi, bien sûr, les terriens de Tanguy Pastureau. Voilà, et toujours les six mercenaires. La grande rousse avec une veste noire, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido. Elle est à la mode et elle taille des costards. Monia Cachemire. Tête à claque, tête de mule, mais surtout, tête bien faite. Franz-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même,
Gilles William Golnadel, la belle gueule qui ne compte pas la fermer, notre petit reporter Pierrot Licia, et notre invité, le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi. Votre slogan, l'homme le plus connecté du gouvernement. Ça va. Vous avez votre sampleur. Technologique. Et maintenant, c'est l'heure de la battle de la semaine. Battle de la semaine, gilet jaune, y a-t-il un risque d'insurrection avec Christophe Chalençon. Christophe Chalençon, merci d'être avec nous. Vous venez de Vaucluse. Oui. Vous êtes l'une des grandes gueules du mouvement des Gilets jaunes. Vous êtes vraiment prêt à en découdre. Mais avant, pour poser les enjeux, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Macron, démission. Depuis le début, c'est le slogan qui fait l'unanimité chez les Gilets jaunes. Sauf qu'après 3 mois de manif, Macron est toujours sur son trône. N'empêche, les plus radicaux des Gilets jaunes rêvent toujours de renverser le pouvoir. Certains, comme Éric Drouet, appellent au soulèvement généralisé. Mettre le paquet pour se faire entendre au final, hein. c'est le seul moyen. Hein. D'autres, comme Christophe Chalençon, filmé ici en caméra cachée par une télé italienne, évoquent des groupes armés prêts à passer à l'action. On a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce qu'ils veulent aussi tomber le pouvoir. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter d'une insurrection à venir? En tout cas, Macron entretient volontiers l'idée que la République est menacée. Avant la manif du 6 décembre, l'Élysée annonçait que plusieurs milliers d'extrémistes risquaient de déferler sur Paris pour casser et pour tuer. Il y a bien eu de la casse, mais aucune milice n'a ouvert le feu sur les forces de l'ordre. N'empêche, au début du mois, Macron parlait encore de 40 à 50 000 militants d'ultra-droite et d'ultra-gauche qui voudraient détruire nos institutions. Apparemment, il exagère encore. En effet, cette semaine dans Le Parisien, Nicolas Lerner, le chef de la DGSI, comptait 1 millier de militants dangereux pour l'ultra-droite et 2 000 pour l'ultra-gauche. Selon lui, ces groupes radicaux n'exercent d'ailleurs aucun leadership sur le mouvement des Gilets jaunes. Tout au plus parviennent-ils à entraîner dans la violence les plus énervés des manifestants, comme à Toulouse ou à Bordeaux. À défaut d'être assez nombreux pour défier le pouvoir, certains radicaux sont donc tentés par des actions d'éclat. À Grenoble, la police enquête sur un groupuscule d'ultra-gauche qui a incendié des bâtiments publics, comme les locaux de France Bleu Isère ou des gendarmeries. Du côté de l'ultra-droite, une dizaine d'extrémistes ont été arrêtés en juin dernier, alors qu'ils préparaient des attentats contre des mosquées pour tenter de provoquer un soulèvement des banlieues. À la mi-janvier, les leaders de l'ultra-droite se sont rassemblés à Rungis, l'occasion pour le militant antisémite Hervé Ryssen de dévoiler sa stratégie. J'étais content de voir les racailles de banlieue venir tout casser dans les quartiers bourgeois, notamment c'était le 7e arrondissement. J'étais content parce qu'on a besoin de renforts, si je puis dire, et je suis aussi content de voir des black blocs, des gauchistes, dans ces manifestations. Pour la révolution ! La détermination des partisans de l'insurrection est inquiétante, mais quelques milliers de fanatiques peuvent-ils vraiment renverser la République ? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, Éric Drouet, un autre gilet jaune, a relayé un ultimatum à Emmanuel Macron diffusé sur Facebook. Il est écrit: si au 15 mars à minuit, nos revendications ne sont pas respectées, nous appelons toute la France à monter sur Paris. Alors, y a-t-il un risque d'insurrection? C'est la question qu'on vous pose, Christophe Chalençon. Est-ce que vraiment, il y a une volonté de prendre le pouvoir par la force, par un coup d'État militaire? Pas du tout. Me concernant, moi je suis un républicain. La solution que je prône depuis tout le temps, ça a été une solution politique. Mais par contre, je mets en garde depuis 2 mois, parce que depuis 2 mois... Vous n'avez jamais été très clair. Hein.
Pardon ? Vous n'avez jamais été très clair sur ce point, je suis heureux de l'entendre ce soir. Vous avez toujours été extrêmement violent et vous avez toujours remis en cause... Je n'ai jamais été très violent, j'ai fait toujours des manifestations de manière pacifiste et je l'ai toujours amené à une solution politique. Les paramilitaires, c'est quoi ? Les paramilitaires, je préviens. Parce que vous savez, quand on est sur les manifestations, il y a des gens qui vous ouvrent le coffre de la voiture avec des calibres dedans. Donc on prévient. Mais si c'est le pouvoir politique qui ne veut pas entendre, ne veut pas écouter ce qui se passe dans la rue... et continue à répondre par la force et n'amène pas une solution politique, parce que la solution politique qu'ils ont amenée il y a, on va dire, même pas deux mois, c'est une poignée de cacahuètes. Aujourd'hui, on sent bien que le carburant, on le voit, est en train de remonter. L'impôt à la source, mais on se rend compte que les citoyens commencent encore à nouveau à perdre du pouvoir d'achat. Mais la violence, on le voit très bien, lors des manifestations... Vous appelez à la fin de la violence ? Vous êtes contre la violence ou pas ? Bien sûr que je suis contre la violence. Est-ce que vous appelez à la fin des violences ? J'ai toujours prôné à la non-violence. Est-ce que vous demandez à tout le monde d'arrêter ? Est-ce que j'ai été condamné pour de la violence ? Est-ce que vous appelez tous les manifestants à cesser les violences ? Oui, mais monsieur, je ne suis pas derrière chaque manifestant. Vous avez partagé l'ultimatum ? Non. Vous êtes d'accord avec ça ? Avec quoi Avec Drouet. Non, mais Drouet, vous savez, il y a plusieurs courants dans les Gilets jaunes. Je vous pose la question. Vous avez le côté Madame Moureau, qui est sortie très rapidement et qui a voulu monter son parti. Vous avez Drouet et d'autres qui sont vraiment à l'extrême du combat et toujours dans l'action, on va dire, dans le conflit. Et puis, nous sommes sur la voie du milieu. Qui est le « nous » ? Parce que moi, je ne vous considère pas comme un gilet jaune. Ça fait trois mois que j'ai consacré une grande partie de ma vie à partir à l'écoute de tous ceux qui ont voulu mettre un gilet jaune, de tous ceux qui ont dit que leur vie était compliquée, qu'ils n'arrivaient pas à finir les fins de mois. Quand on a fait les annonces, quand on a proposé qu'on augmente le revenu de ceux qui travaillent, ceux-là sont venus voir en me disant, pour certains, dire « ça n'était pas assez », d'autres en disant « c'était trop tard ». Mais ceux-là, ils étaient dans la discussion. Certains sont venus me dire « on ne va pas participer à votre grand débat à vous, mais on va faire notre grand débat, on veut participer ». Beaucoup d'entre eux ont dit « on est contre ces violences ». Moi, je crois que ceux qui continuent aujourd'hui à nourrir les violences ou être ambigus, vous n'avez pas dit la phrase « j'appelle les gens à cesser les violences dans les manifestations », vous ne l'avez pas dit. Vous êtes ce soir un homme très doux, qui est apparemment un grand républicain. Vous avez... Monsieur, depuis le 17 novembre, je provoque des assemblées citoyennes sur le département du Vaucluse. Monsieur, alors, vous avez même eu des extraits vidéo. Quelques jours avant, j'ai organisé, alors quand vous me dites que je ne suis vous pas êtes un gilet traître jaune... à la cause des gilets jaunes engagés, de ceux qui, à l'origine de ce mouvement, ont souhaité faire prendre conscience à une grande partie des Français que beaucoup de Français n'avaient plus la parole, ne pensaient plus qu'ils pouvaient être entendus. Ceux-là, aujourd'hui, vous les avez entendus ? Oui, monsieur, quand le président de la République propose sur le budget de l'État 10 milliards, c'est peut-être jamais assez, mais immédiatement d'apporter une réponse et de faire ce qu'on n'avait jamais fait avant, pendant plusieurs mois, lancer un grand débat national avec près d'un million de contributions aujourd'hui, avec des Français qui ont dit « on veut être entendu ». J'ai participé à un grand débat, le premier qui a eu lieu à Marseille, chez une députée En Marche. C'était une grosse frasque, il y avait 40 personnes... On va dire 38 En Marche. Nous étions deux gilets jaunes. Dites-moi ce soir, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que moi, je passe mes dimanches à écouter des gens qui m'expliquent ce qu'ils veulent sur la justice fiscale. Et nous répondrons. J'ai entendu des gens qui disent, sur les familles monoparentales, à aucun moment, vous parlez des 100 milliards d'évasion fiscale. On en parle... Mais venez avec moi, dites-moi les sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle. Vous ne m'avez jamais invité. La seule chose que vous m'avez amené... C'est sur un poste que j'ai fait vous concernant. Ouais, vous voulez en parler, allez-y. Mais on va en parler. On va en parler parce que j'ai fait un poste. Vous me laissez parler. Je ne savais pas que vous veniez ce soir. Si je savais que vous étiez là, je ne serais pas venu. Je ne viens pas débattre avec vous. Ah bon ? Pour moi, vous avez trahi. C'est un beau geste républicain. Vous êtes contre la République. Ah non. Vous avez appelé au soulèvement militaire. Je me suis présenté aux élections législatives. J'ai fait 240 voix. Donc je vais vous dire, je suis un républicain. Alors je suis pour. Dites ce que vous avez dit sur moi alors. Oui, mais je le dire. J'ai dit homosexuel, musulman, contradiction en France. Pourquoi ? Moi, j'ai la phrase exacte. C'est du 21 août sur votre Facebook. Vous avez écrit musulman et homosexuel, sacrée contradiction, on nous prend pour des cons. Oui, sacrée contradiction, tout à fait. Pourquoi ? Oui, on nous prend pour des cons. Pourquoi ? Parce qu'on laisse glisser l'islam radical en France. Et qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'islam radical ? Que fait-il à des gens comme vous de l'autre côté de la Méditerranée ? Et c'est là que je vous l'ai déjà dit sur un plateau. Mais il est français. Je vous ai dit... Mais vous en parlez sur le plateau il y a quelque temps. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aux musulmans ?
homosexuel. Mais oui, mais alors, mais parce que je vous dis qu'en France aujourd'hui, il y a un islam radical. Il y a un islam radical qui est en train de s'infiltrer en France. Je suis très engagé. Et je suis parti à travers la France. Vos explications sont à côté de la plaque. Vous avez un problème avec les musulmans. Absolument pas. J'ai travaillé 10 années en Tunisie. J'ai fait le ramadan chaque année. Alors, vous me direz, c'est la meilleure réponse que vous pouvez faire pour vous aider. Mais monsieur, alors là, je vais vous dire, je n'ai absolument rien contre les musulmans. Vous voyez, je vous le dis, c'est clair. Moi, j'ai un problème avec les menaces que vous faites à la République. Alors, justement, on en arrive là. Quand vous parlez des paramilitaires, quand vous dites j'ouvre le coffre, il y a des calibres à l'intérieur et tout. Qu'est-ce que vous... Non, j'ai pas dit j'ouvre le coffre. Pendant que je suis sur les manifestations, j'ai des gens qui viennent, qui m'ouvrent les coffres des voitures et qui me présentent des fusils, des armes. Vous les avez dénoncés ? C'est très grave. Moi, monsieur, quelqu'un m'ouvre un coffre avec des fusils, je le dénonce immédiatement. Ben, c'est votre choix. Ah, donc vous êtes... Ben, alors, ça veut dire quoi ? Votre choix, c'est de ne pas les dénoncer ? Je ne les dénonce pas, bien entendu. Bah alors, on ne partage pas la même vision de la République. Mais tout monsieur Chalençon... Alors voilà, maintenant, pardonnez-moi, non mais monsieur Chalençon, j'ai toujours eu, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, j'ai toujours eu un regard assez bienveillant comme vis-à-vis du mouvement. Ce que je voudrais vous dire, c'est que par votre attitude et par vos déclarations, vous desservez le mouvement et vous êtes malheureusement, certainement malgré vous, l'idiot utile d'Emmanuel Macron, parce que plus vous parlez, plus vous faites peur aux Français, et plus on fait peur aux Français, moins on arrive à les convaincre. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous desservez tout simplement le mouvement ? Absolument pas. Absolument pas. Nous allons apporter, nous construisons de notre côté une solution politique et nous allons remplacer le mouvement En Marche. Nous allons devenir la force populaire politiquement. Vous êtes mort, monsieur. Vous êtes mort politiquement. C'est une menace, c'est quoi ? Mais non, vous êtes mort politiquement. C'est pas une menace. Alors, je ferme ma bouche à chaque fois. Si chaque fois que c'est je l'ouvre. Qui le nous ? C'est vous avec qui ? Mais ça, vous allez le découvrir quand nous allons lancer le mouvement et la liste aux européennes. Ouais. Je peux vous dire ce soir que la majorité des Français sont contre ces violences, en ont marre de ceux qui, comme vous, ne dénoncent pas ceux qui ont des armes à feu et qui les ouvrent devant tous, et qui, aujourd'hui, amèneraient à ce que vous, monsieur, la semaine dernière, vous avez fait venir la mort d'un gouvernement étranger pour venir soutenir votre mouvement. Moi, je n'ai rien fait venir du tout, monsieur. Vous avez bien posé, en tout cas, sur les photos. Bien sûr, pourquoi ? Moi, à partir un vice-premier ministre vient nous rencontrer. Alors, c'est formidable. Sur cette photo, tout le monde dit c'est pas moi qui l'ai invité, c'est Chalençon. Mais Chalençon, vous dites c'est pas moi. Moi, je vais vous dire, le rendez-vous, nous étions en contact depuis le 14 janvier avec M. Di Maio. Donc, c'est pas Christophe Chalençon qui, en claquant des doigts, a fait venir le vice-premier ministre et 7 autres personnes, dont 3 députés européens. J'ai été quand même nommé le dimanche lors d'une réunion interne porte-parole de la liste RIC. Nous avons rencontré le vice-premier ministre pendant 2 heures. Donc ce qui m'a étonné, c'est quand même qu'un vice-premier ministre qui se dépose à Orly, qui prend ensuite un taxi, qui arrive à Montargis, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins les RG qui débarquent, ou les policiers, ou quelque chose. Il semblerait que la France soit une grosse passoire en ce moment. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Et ensuite, nous avons débattu. Nous recevions le président d'un mouvement citoyen et nous lui avons demandé comment construire le même mouvement en France. Nous lui avons demandé aussi comment il se plaçait avec la Ligue du Nord, avec Salvini, parce que si ça avait été ce côté-là, nous ne serions jamais accoquinés ou nous n'aurions jamais débattu avec lui. Et ensuite, nous avons parlé de politique intérieure, politique européenne et politique mondiale. Voilà. Moi, je suis terriblement désespéré pour les Français qui ont pu un moment croire en vous et se dire que vous les représentez aujourd'hui dans ce mouvement des Gilets jaunes. Moi, je ne souhaite pas un très bel avenir à un mouvement politique qui cautionne la violence. Monsieur, je suis menacé chaque jour de mort. D'accord ? Alors, vos menaces... Et moi, vos je me petites, fais menacer par des gens comme vous. Non, tous les jours, mais vos petits messages, je vais vous dire, ils me passent à 3 km dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la France, l'avenir des gens qui sont en bas, qui crèvent de faim aujourd'hui. Il y a ceux qui travaillent pour les aider, et il y a ceux qui parlent. Non, vous ne travaillez pas pour les aider, parce que ça fait 3 mois qu'ils sont dans la rue, sous la neige, encore à crever de faim, et vous n'avez apporté aucune solution à ces gens-là. Monsieur, vous m'en... Alors, Natacha. Alors, je pense qu'il faut revenir à la question initiale de ce débat, la question de savoir s'il peut y avoir une insurrection. France. C'était la question première. Oui. Bon,
Or, je pense pour ma part qu'il a failli y avoir quelque chose comme un bouleversement du paysage politique. Et c'est ça le début des Gilets jaunes. C'est-à-dire le fait que ça a attiré une part de la population extrêmement large et des gens qui d'habitude ne se retrouvent pas ensemble. Et c'est ça qui a fait peur à un moment donné au pouvoir politique, et on le voit dans la semaine du 1er au 8 décembre, où là, il y a une forme de panique et une véritable menace. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le mouvement est très largement soutenu. Oui. Et je pense que, Mounir Majoubi, vous expliquez très bien, vous-même, vous vous êtes impliqué, vous avez été le plus efficace des membres du gouvernement face à ce mouvement. Parce c'est que vrai. Vous, vous êtes allé les rencontrer. Les autres ont été dramatiquement nuls. Et le président de la République s'est tu pendant très longtemps et a pris la parole systématiquement à contre-temps et pour ne rien dire. Simplement, il a joué la radicalisation du mouvement, ce que nous voyons aujourd'hui. Et je pense que justement parce qu'il y a radicalisation, il ne peut pas y avoir insurrection. On a aujourd'hui, en effet, quelques milliers de personnes, des extrémistes de droite, des extrémistes de gauche, qui infiltrent ce qui reste du mouvement et qui donc vous donnent raison dans le sens où les Français veulent de l'ordre, dans le sens où ils veulent avant tout que cela s'apaise. Donc, ce que vous dites, Natacha Polony, Macron a joué le pourrissement. Il a fait le grand débat pour calmer les ardeurs et il a attendu que le mouvement se radicalise, donc qu'il ne soit plus soutenu par tout le monde. C'est ce que vous dites. C'est exactement ce que je dis et il n'y a eu aucune réponse politique, ce qui signifie que ce mouvement-là, ponctuellement, peut s'effilocher, continuer à perpétrer des violences, peut-être, ou disparaître. Le danger, c'est le coup suivant. C'est la prochaine colère populaire. Et moi, je m'inquiète de ce qui se passera si on n'apporte pas une solution à ces Français qui, au départ, demandaient tout simplement à vivre correctement de leur travail et à ne plus payer pour des multinationales qui, elles, ne payent rien. Mais là-dessus, Madame Polony, nous sommes d'accord sur la solution que vous proposez à la fin. Non, on n'est pas d'accord. Le grand débat, mais si, parce que ce grand débat, imaginez deux secondes, le président de la République qui fait cette promesse aux Français, si on ne répond pas à la hauteur, qu'est-ce qui se passe au mois d'avril et au mois de mai? Bah oui, ça va poser problème. Eh bien, donc, je ne vous demande pas de nous faire confiance. Ce n'est pas le rôle de la vous dire, faites-moi confiance. Je vous dis juste, nous avons fait cette promesse. Si on n'y répond tout pas, en disant nous qu'on gardait exactement le même cap politique. Mais c'est tout le ce problème. Ce que je vous dis, Madame Pauline, c'est que si nous faisons ça, nous n'avons aucun avenir. Pas nous, La République En Marche, nous, le gouvernement, nous, la France. D'accord. Si le gouvernement ment à ses bons citoyens, Mounir, nous n'avons pas d'avenir. Ce qui est dit est dit. Bon, alors, Raquel. Ça fait 3 mois que ce mouvement dure, notamment pour un point, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est la mesure phare qui émerge de ce mouvement, qui est ultra soutenue. 70% des Français sont pour le référendum d'initiative citoyenne. Alors, ça tombe bien, cette mesure a été proposée à l'Assemblée nationale cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Dans un coup de manipulation politique. Pardonnez-moi, votre mouvement c'était politique, à l'ordre madame. Du jour. Pardonnez-moi, est-ce que c'est vrai que oui ou non, le référendum d'initiative citoyenne a été mis à l'ordre du jour par du débat de l'Assemblée ? Peu importe par qui. Par quel parti je politique ? Je croyais que vous étiez pour le débat et que vous n'étiez pas sectaire. Par quel parti politique ? Mais qui essaye de manipuler là, parce que les gilets jaunes aujourd'hui ? Parce qu'une idée, quand elle vient de l'opposition, c'est une mauvaise idée ? Quand elle vient en fait, volontairement à contre-temps, juste pour créer ce n'est pas du tout à contre-temps, ça fait 3 mois que les Français attendent une réponse. Vous n'avez même pas voulu en débattre. Arrêtez d'avoir une Assemblée nationale qui est à contre-courant de la France complète. Il y a 1 million de Français qui sont en train de nous parler de l'avenir de la démocratie. On est en train de se dire qu'il va falloir que notre démocratie elle change de mode de fonctionnement. C'est-à-dire que l'engagement que nous avons pris, c'est pas de réforme constitutionnelle tant qu'on n'a pas fini le grand débat. Le référendum d'initiative citoyenne. On peut mettre plein de choses derrière. Quand on rentre dans le détail et qu'on se rend compte que certaines versions amèneraient à une incapacité à gouverner la France, à ruiner la France, à mettre à plat toutes nos valeurs. Amender la loi. Et quand on rentre dans le détail et qu'on dit que moi je dis que je suis pour qu'il y ait plus d'initiatives citoyennes dans la décision, d'initiatives citoyennes pour voter des lois, d'initiatives citoyennes locales. Raquel, vous savez quoi ? On se revoit le 15 mars. Ce que j'allais dire. On se revoit ensemble le 15 avril. Le 15 mars. On se ressemble le 15 mai. Le 15 mars. Tous les 15 du mois, on se revoit et on voit si on a avancé. Laissons-leur 3 semaines. Si je vous ai menti, si nous vous avons menti, c'est la France qui ira dans le mur. Voilà. Nous ne mentirons pas. Alors, voilà, ça c'est un deal. Bien. C'est la fin de ce débat. J'espère que tout le monde a pu se faire une opinion. Christophe Chalençon, merci d'avoir été avec nous. Alors, la traite des Noirs, croyez-le ou pas, existe toujours. La preuve, avec Alpha Kaba, journaliste guinéen,
Il a été capturé en Libye et vendu comme esclave. Pierre Licia, notre petit reporter, est allé le rencontrer magnéto, Serge. – 700 000 migrants sont aujourd'hui en Libye. Parmi eux, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont réduits en esclavage. Je suis à Bordeaux pour rencontrer Alpha Kaba, ancien esclave des milices libyennes et désormais réfugié politique en France. Bonjour Alpha. – Bonjour. – Merci de nous accueillir. – Bienvenue. – Aujourd'hui, tu es réfugié politique en France, c'est ça ?– C'est ça. J'ai quitté la Guinée en 2013. 2013. J'ai été victime des menaces dans le cadre de l'exercice de mon métier de journaliste. Journaliste. Où j'ai travaillé dans une radio locale. Et ils ont trouvé qu'une de nos émissions ne plaisait pas à l'État et aux militants du parti au pouvoir. Et donc tu as quitté la Guinée ? En attendant que la situation se calme, je suis parti de Bamako pour Burkina Faso, Niger, ensuite l'Algérie. Et j'ai suivi un groupe d'ouvriers migrants qui venaient pour la Libye pour se trouver du travail. Et donc là, tu arrives en Libye On a été revendu par le passeur qui devait nous envoyer à Tripoli, à des milices. Et ça pendant combien de temps ? 2 ans et demi, en fait. Bah, tu vas nous raconter tout ça ? Je vais te montrer deux photos. Là, ce sont des personnes qui attendent d'être achetées. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça. Tous les matins, on nous fait sortir comme des bêtes. On s'assoit au soleil, dans un enclos, comme un troupeau, quoi. Ouais, comme un troupeau. On ne pouvait pas sortir, c'était gardé. Autour, il y a des hommes de main qui nous entourent avec des armes. Il n'y avait aucune solution de fuir. Si tu veux vivre, il faut obtempérer. Tu as été torturé, toi ? Non, on a été torturé, frappé avec l'accroche des armes. Ils mettent des barbelés à terre, ils nous demandent de marcher dessus comme ça. Ils ont des armes pointées sur eux, si tu ne marches pas, on tabasse comme un poulet qu'on va manger le soir. On tabasse vite fait et puis c'est fini. Et comment t'en es sorti, toi, justement ? Mon dernier maître est venu me payer pour m'envoyer à Zabrata. J'étais environ 150. 150 sur un Zodiac ? Sur un Zodiac. Et il y avait eu 7 morts. Il y avait une femme enceinte qui est décédée dedans, et une autre femme, plus des jeunes. Qui sont décédés par noyade ou... Non, par bousculade. Et c'est là-bas où il y a eu des morts. Quand on a vécu l'enfer comme toi, de la Libye, la Méditerranée, comment est-ce qu'on envisage l'avenir ? C'est pas facile d'y croire. Je ne pense pas qu'à moi, quoi. Je pense aussi à ces gens qui continuent encore à souffrir de ce même calvaire. Quoi. Et même ceux-là qui traversent, viennent ici, on les considère comme des menaces. Ça fait mal quand tu dis migrant, quoi. Pour continuer à en parler, j'accueille Alpha Kaba. Alpha Kaba, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous racontez votre voyage au bout de l'enfer libyen dans Esclaves des milices, chez Fayard. Pierre vous laisse interviewer Alpha Kaba. D'abord, merci Alpha d'être là ce soir. Ton témoignage, ça nous permet de réaliser qu'aujourd'hui, à 3 heures de Paris, des hommes et des femmes sont vendus comme esclaves pour quelques centaines de dinars. Toi, tu as été vendu pour 350 dinars. C'est ça, oui. Il y avait avec toi des hommes, des femmes aussi. Quelle est cette vie d'esclave que tu as menée pendant 2 ans et demi ? Quotidien, je travaillais dans des chantiers, creuser des fosses septiques, vider des toilettes ou dans des plantations de dattes. On faisait toutes sortes de travail pour que nous restions en vie dans cet état. Et les femmes ? Les femmes, c'est... en quelque sorte de l'esclavage sexuel. La nuit, on vient, on loue les femmes, on les envoie. Certains, on les ramène vers 6 heures du matin ou 5 heures du matin, ça dépend. Vous êtes resté 2 ans et demi comme ça, esclave. Comment est-ce qu'on arrive à garder espoir ? L'espoir n'existe pas. Le seul espoir, c'est la mort, ou peut-être qu'à partir de la mort, tu te vois libre.
Alpha, tu as une famille que tu as laissée en Guinée. Pendant toutes ces années, tu pensais à ta famille. Aujourd'hui encore, est-ce que tu as des nouvelles de ta femme et de ta fille? Non, ma femme, non. Et elle est décédée déjà. Et ma fille, même hier, j'ai parlé avec elle. Elle va bien. Elle est en Guinée-Bissau, dans un autre pays voisin de la Guinée. Elle est avec ma grande sœur qui a son mari là-bas, qui s'occupe d'elle. Quel est le message que tu voudrais délivrer au monde ou à l'Europe sur ce qui se passe en Libye? Les chiffres qu'on donne dans les médias, dans des radios, dire qu'il y a eu 700 000 ou 800 000 morts, moi je dis qu'il y a des millions de jeunes qui sont abattus sur le désert, sur lesquels on flingue sur les pieds, sur le cœur. J'en ai enterré beaucoup. Nous vivons actuellement ce qu'on vit en Libye, c'est un crime contre l'humanité, quoi. Il faut que l'Union africaine, l'Union européenne, la France notamment, qui a un rôle primordial à jouer dans cette affaire, de faire face à la situation de la Libye. Parce qu'honnêtement, le fait de laisser, de signer un accord avec les autorités libyennes pour que les autorités contrôlent désormais la situation de la Libye, c'est la plus grosse erreur que la France ait commise dans l'histoire de la migration et celle de la Libye. Mounir, grave erreur d'être intervenu en Libye. Une erreur, un crime. Il y a des gens qui ont des morts sur la conscience. Oui. Enfin, pardon. C'est commis pas Macron, par Nicolas hein, c'est Sarkozy. Ah, non, c'est pas Macron. Mounir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter qu'en 2019, c'est terrible à dire, il y ait des esclaves? Permettez-moi de ne pas répondre à cette question majeure en quelques secondes. Ouais, c'est votre témoignage qui est bouleversant. Ce que vous dites, c'est votre histoire à vous et elle est absolument saisissante et j'en suis très ému. Moi, ce que je peux vous dire au nom du gouvernement, c'est que la question de la Libye, elle est là toutes les semaines au Conseil des ministres. Que Jean-Yves Le Drian, toutes les semaines, fait un point de situation à tous les membres du gouvernement. Que l'action de la France dans cette zone, elle est extrêmement et terriblement complexe. Et qu'un mot parfois qu'on appelle les États faillis. Un État failli, c'est un État où il n'y a plus de système légal, un État où on n'a plus de partenaires pour maintenir l'ordre. Eh bien, ça fait ressurgir le pire, c'est-à-dire ceux qui gouvernent par la force. Monia. Avec tout ce que vous avez traversé, c'est un miracle que vous soyez vivant et que vous soyez ici parmi nous. Vous faites partie de ces voix, de ces tragédies silencieuses de notre époque. Dans votre livre, vous parlez souvent, vous dites souvent que quand vous étiez en Libye et que vous étiez sous les arbres, vous étiez assis, vous rêviez qu'on vous sauve. Et vous avez quitté la Guinée parce que vous vouliez être journaliste. Moi, j'ai de la chance, mes parents sont venus en France et je suis journaliste et je peux vivre de mon métier. J'aimerais, pour la prochaine émission, vous offrir ma place. J'aimerais ne pas venir sur ce plateau, vous offrir ma pige, qu'on vous donne votre chance. Je suis être journaliste. Bonne idée. Et je vous laisse ma place. Bravo. Je rappelle le titre de votre livre, Esclaves des milices, est paru chez Fayard. Mounir Madjoubi, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve après la pub avec le zapping des terriens et le croisement entre Rocco Siffredi et la compagnie créole, le chanteur Francky Vincent. A tout de suite. Bonsoir, les terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des six mercenaires. Natacha Polony. Natacha. Moi, je reste attaché. Natacha. À la douce personne. Raquel Garrido. Dans les bains populaires, les Raquel du samedi. Du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir, en bois, nous on danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous, et pour se revoir un coup, et pas payer nos verres, pour boire un coup. Oh. Allez. Indépassable. Monia Cachemire. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je garde.
J. William Goldnadel. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. François-Olivier Gisbert. On dirait dessus. Le temps du lendemain. Et notre petit reporter, Pierrot Licia. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure du zapping des terriens. Premier magnéto, direction la Chine, Serge. Énorme star du maquillage, c'est absolument incroyable ce qu'elle arrive à faire, franchement. Avec le maquillage, de toute façon, on peut tout faire. Ah, il suffit de regarder nos gueules avant d'être maquillé. Oui, c'est vrai. Ah oui, parce que les maquilleuses, nous, trois, ils arrivent tous, c'est le musée des horreurs, et on ressort. On est pas mal, voilà. On est pas mal. Monia. Surtout que depuis la vidéo, en fait, le make-up qu'elle a fait de Johnny Depp, en fait, sur Twitter, toutes les théories conspirationnistes ont dit que en fait, Johnny Depp, c'est pas un mec, elle. C'est une femme asiatique. Et mais si fait, ça se trouve, c'est vrai. Elle est géniale, elle a 27 ans et elle a créé l'espèce de make-up show. Elle met entre 4 et 6 heures pour faire ses make-up. Michael Jackson, pas terrible. Deuxième vidéo, direction la France. Voilà, donc là, c'est beaucoup moins drôle. Bah on les traite comme des pigeons. Voilà, c'est-à-dire que c'est la Fondation Abbé Pierre qui a fait les pics d'or, qui a pour une espèce de faux concours, pour montrer comment les municipalités créent des systèmes contre les SDF. C'est-à-dire exactement, vous avez raison, France, comme des pigeons. Sauf que ça a une vraie utilité, ces pics d'or. Suite aux pics d'or, la direction de la BNP a annoncé qu'elle allait enlever tous ces pics devant ses banques. Oui, parce que ce n'est pas que les communes. Hein. La RATP, rappelez-vous, avait des bancs et elle a commencé à faire les petits sièges bien inconfortables. Et en fait, il y a une sorte d'activité pastorale de la pauvreté. C'est-à-dire, en fait, d'habitude, être pasteur, c'est faire bouger les moutons. Là, c'est juste déplacer la pauvreté. Ce qui est encore plus surprenant, c'est de se dire qu'il y a des ingénieurs, il y a des architectes ont réfléchi à faire des pièges humains. Ils ont fait un brainstorming, ils se sont dit, tiens, on va tester, à ton avis, c'est quoi le pire, c'est des pics ou un truc en... Ouais. C'est incroyable quand même. Le Royaume-Uni, Magnéto Serge. Le Tinder des vaches. Ouais, on peut dire le mythique aussi. Le mythique des vaches. Je trouve que ça devrait nous rapprocher un peu de la condition animale.
L'animal est une personne et oui. Les animaux, je suis désolé, non, je sais que ça va encore choquer, mais les vaches, elles ont des sentiments, elles n'ont pas le même caractère. Moi, j'ai vécu à la ferme, il y a la vache qui est agressive, la cariate, il y a l'autre qui est sentimentale. Il y a la vache qui pète pas, c'est... Voilà, il y a la vache un peu qui... comme autour du plateau. La vache qui pète tout le temps, celle qui pète pas. Voilà, chaque vache est différente et je trouve que c'est très bien, ça devrait... C'est un truc... C'est quelque... Ça nous rapproche ça nous... des vaches. Oui, mignon, et ça oui, nous d'accord. apprend quelque chose aussi sur les animaux et sur nous aussi. Direction les États-Unis, Serge. Allez, Bravo, donc Rudolf Ingram, non, c'est une resta tout de suite là. Il a, c'est il normal. A, il a 7 non, mais ans. Pas, non, pas bravo. Pourquoi? Parce que c'est de l'élevage. Bon, exactement. Arrête, exactement. Non, on parlait d'élevage non, à l'instant. Attends, tu, est-ce que tu es un génie? Non, arrête, attends, non, là tu non, rêves. Non. Dans les clubs de foot en France, ils élèvent des joueurs comme des champions. Donc c'est l'élevage de champions. Ben, ça c'est quand même de l'élevage. Donc tu confirmes oui, mais mon, tu sais mon bien vocabulaire. Qu'à un moment, l'égalitarisme dans le football, ça n'existe oui, pas. Il faut des Mbappé, c'est pas il faut le des sujet, Neymar. Je te parle de la protection des droits de l'enfant. Non, mais là, le gamin, il n'a pas le choix. L'élevage. Ça marche je avec pense, couleur, je pense avec qu'effectivement petit, vous avez raison, Pierre et Raquel, et il a l'air fier. Extrêmement malheureux. Ah oui. Non, ah là là, vraiment, ils sont occupés. On va envoyer la DAS. Il faut envoyer la DAS pour s'en occuper. Et puis on va le retirer à ses parents. Et Mozart, prodige à 5 ans. Non, mais Mozart, c'était l'élevage. Tout est dit. Direction le Japon. Bon, Monia, je crois que c'est assez signifiant, c'est-à-dire que des mecs qui veulent attraper un bâton dur. On ouais. comprend bien ce que ça signifie. C'est la fête de la nudité, mais ils ont tous un slip. C'est la fête du slip. Attends, la fête du slip, c'est ça, en fait. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Et maintenant, j'accueille le chanteur Francky Vincent. On est très heureux de vous voir arriver parce que c'est vrai que l'émission était un peu douloureuse. Et quand on vous voit, évidemment, ça fait plaisir. Ça, c'est le sourire, c'est la vie. C'est la vie. Alors, vous avez un slogan, le croisement entre Rocco Siffredi et la Compagnie Créole. Ça vous va? Oui, j'adore. Et vous avez un sampleur, évidemment. J'adore. Alors, Francky Vincent, vous êtes ici ce soir pour nous présenter Le Binôme du siècle, votre nouveau disque avec Evangélie. Voilà. Mais avant d'en parler, votre portrait par Stéphane Blakowski. Magnéto, Serge. 1956, Franck Vincent naît à Pointe-à-Pitre. Issu d'une famille modeste, il renonce aux études pour se lancer dans la musique. Fan du groupe haïtien Tabou Combo, à 18 ans, il bâtit son premier groupe, Tabou numéro 2.
Après 3 albums, Frankie décide de se lancer dans une carrière solo. Infirmé ta boy, décompté à essence. 1983, Frankie sort son premier album intitulé Doc Porno. Ses chansons grivoises cartonnent aux Antilles où on le surnomme Frankie Cochon, le Zucker X, fort Frankie Kiki. Mais Frankie voit plus grand, il rêve d'un succès à la métropole. En 90, il fonde donc sa propre maison de production et écrit une chanson en français, Alice Saglisse. Un succès qui lui permettra de faire son premier Olympia. 1992, Frankie quitte la Guadeloupe pour s'installer à Paris. Il démarche toutes les maisons de disques pendant 2 ans, jusqu'au jour où Arcade sort une compilation de ses meilleurs titres qui avait déjà cartonné aux Antilles. Bingo ! Fruit de la Passion se vend à 700 000 exemplaires. La chanson sera même numéro 1 du hit parade en Argentine et en Colombie. En 96, il est de nouveau disque d'or avec l'album Le Tombeur. 2003, alors que ses disques se vendent un peu moins bien, Frankie décide d'ouvrir un restaurant en région parisienne. Mais au bout de 6 mois, il ferme l'établissement sans prévenir le personnel qui l'attaque au prud'homme. Frankie leur répond à sa façon par une chanson bourrée d'insultes. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. En 2009, Frankie signe son nouveau tube intitulé « Tu veux mon zizi ?» Et l'année suivante, il participe à l'émission La Ferme Célébrité. Sans complexe, Frankie assume sa réputation. Ah, je suis le roi. Je suis le roi des beaufs, j'adore. Vous êtes le roi des beaufs. Ah, ça m'excite, ça. 2019. Sur son dernier album, Frankie chante des reprises de Johnny avec Evangélie. En baptisant ce duo improbable le binôme du siècle, Frankie prouve qu'il a du goût pour l'autodérision. Voilà pourquoi il est ce soir chez Ardisson. Et voilà, merci. Bravo. Bravo Stéphane Jakobski, merci. Frankie Vincent. Harmonia, je vous le laisse. Bonjour, alors, pas bonjour, c'est plutôt bonsoir. Vous êtes en décalage horaire, hein? Bonsoir, Frankie. Je pense que ça va être pas mal. Bon, en tout cas, moi, je vous adore, vraiment. Ouais. À chaque fois que Télérama fait quelque chose sur vous, j'écoute. Non, mais la gente féminine m'adore, c'est vrai. Ouais. Alors, Frankie Vincent, vous affichez au compteur plus de 180 chansons, dont 160 en dessous de la ceinture. Je ne suis pas une prostituée, hein, ouais. Je n'affiche pas au compteur. Non, mais vous êtes une sorte de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, sauf que vous, bah, vous êtes le porte-parole de la chanson paillarde, donc vous êtes un Benjamin Griveaux. Oui, 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 bravo, Benjamin Griveaux, bravo. C'est énorme. Chanson paillarde, non, je préfère chanson coquine à souhait. C'est vrai? Oui. Ouais, chanson coquine à souhait. Alors, votre dernier album s'intitule « Le binôme du siècle ». Alors, ce binôme, vous le composez avec la chanteuse Evangélie. Et le premier single de cet album s'intitule « C'est bon pour la doudou ». On regarde le clip? Ah, volontiers, Magnéto, Serge. Tu parles toujours de la banane. Je parle de la banane, c'est le fruit qui dépanne. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. T'as un coup de fourmi, fais-moi mal, mon petit mal. Approche-moi ma jolie, c'est la banane de chez nous. La banane, Frankie, c'est le fruit qui dépanne. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. C'est bon pour la doudou, c'est bon pour la doudou, c'est bon pour la doudou, c'est bon pour la doudou. C'est bon pour la doudou. Alors c'est aussi un album de reprise avec des tubes de France Gall, avec tubes de Johnny Hallyday, et version Soleil. Et d'ailleurs, Que je t'aime, version Zouk, et ben c'est voilà. Ça. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Alors ma première question, les fans de Johnny ne nous ont pas menacés quand ils ont écouté cette version? Ben, au niveau de ma page Facebook, il y a eu beaucoup de manifestations malveillantes. Mais moi, je fais face à tout ça parce que je ne me laisse pas faire. De la part des fans de Johnny? Ah oui, je ne me laisse pas faire. Et vous savez, aux Antilles, on cultive ça. On adore la variété française. Donc à partir de là, on s'amuse à vraiment revisiter ces chansons-là, mais avec une rythmique de là-bas. On ensoleille les chansons. Mais voilà, vous ensoleillez les chansons. Ouais, ouais. C'est très juste. Voilà. Alors, dans vos chansons, il est surtout question d'amour, mais vous parlez aussi de prout et beaucoup de zizi. On va revenir sur votre discographie. On va essayer de deviner ce qui se cache derrière les paroles de votre chanson. Donc, je vous propose une interview Paroles et musique. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about sex.
Alors, on commence avec votre tube planétaire, Fruit de la Passion. Ah, alors, Fruit de la Passion, Thierry, on se fait un petit Fruit de la Passion. Ah, je rêve de faire ça. Hop. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Moi, j'adore quand tu fais ça. C'est le mieux, ça. C'est pas vulgaire. Hein. Non, pas du tout. C'est non, classe. C'est super classe. Alors, dans cette chanson, vous dites « Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant mm-hmm. ». Pour vous, les sentiments, ça compte moins que les centimètres ? Non, mais c'est au niveau de la chanson. Il y a pas plus, je veux vous dire un truc, il n'y a pas plus sentimental et plus sensible que moi. Bien Ma sûr. Femme peut en témoigner. Mais c'est vrai, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai une sacrée réputation quand même. Bon, les gens pensent que je suis macho, misogyne. Donc, moi, ça m'arrange. Vous l'êtes pas ? Ça m'arrange. Au niveau de ma provocation, ça me permet de donner libre cours. Mais c'est pas vrai. Ouais. Ah non. Il y a une autre chanson que l'on adore avec Thierry, c'est Tu veux mon zizi. Ah, ah ben ouais, oui. Ouais. Ah, tu veux ça, mon zizi. Mon... Ah, ouais, ouais. C'est l'hymne. Tu veux mon zizi. Oui, 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 oui. Je vais te donner. Oui, 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 oui. Tu veux mon zizi. Oui, 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 oui. Je suis tout seul sur l'affaire là. Ah, moi je vais danser avec toi. Raquel, c'est incroyable. Raquel, tu es prête à danser? Je suis tout seul. Alors, j'ai une chanson sur laquelle Raquel peut danser, c'est la suivante. Bien sûr, on est d'accord. C'est Tu pues du cul. Il faut reconnaître qu'elle est classieuse, celle-là. C'est le pays de Rabelais. On est dans le pays de Rabelais. Qu'on se le dise une fois pour toutes. Continue, Monia. On peut revenir quand même à la chanson Tu veux mon zizi, parce que j'ai quand même besoin de savoir, en fait... Tu veux encore écouter... Tu me remets un petit coup de Tu veux mon zizi. Est-ce que Raquel peut danser avec... Bravo. Il y a de la chance, c'est Corbière, quand même. Hein. Bon. Dans Tu veux mon zizi, vous dites... J'adore. Dans Tu veux mon zizi, vous dites... En tout cas, elle ne lâche rien. Ah, ouais. Ouais, je la connais, je veux dire. Jamais. Jamais. Alors, vous dites... Viens ce soir dans mon tipi, tu verras mon petit kiki. Oui. Viens ce soir dans mon château, tu vas manger mon gâteau. Alors oui, écoutez, tout c'est vos de albums. La rime, c'est de la rime. Oui, mais bon. C'est des rimes riches. Alors vous faites vraiment dans l'ego trip. Par exemple, juste dans 3 chansons, j'ai compté, vous prononcez 28 fois votre prénom Francky. Oui. Dans vos clips, c'est de l'autodérision. Oui. Oui, c'est de l'ego. C'est de l'autopromotion. C'est de l'autopromotion qu'on appelle. Je me moque souvent de moi-même. Alors. Oui, je vois. Dans les clips, souvent, les filles sont dénudées. Alors moi, je me demandais... Dénudées ? Oui, non. Elles sont maillot de bain. Mais oui, dénudées, c'est beaucoup dire. Non, mais elles ne sont pas habillées, elles n'ont pas de burqa quand même. Vous non, mais non, c'est pas le genre burqa, Francky. On est d'accord. Non, je me demandais, est-ce que votre côté lover, ce n'est pas une manière de conjurer le sort avec les femmes parce que certaines d'entre elles vous ont trahi ou trompé ? Oui, j'étais trahi qu'une fois, vraiment. Ah oui ? Trompé 3 fois. Ah, quand même. Ça vous a blessé ? Ben, j'ai aussi renvoyé la balle. Hein. Ouais. Vous avez fait des chansons justement sur cette blessure ou pas ? Oui, oui, j'ai pas que des chansons de fesses, moi. Ouais. J'ai chanté des chansons sérieuses, des chansons par rapport à ma vie de tous les jours, à parler aussi de la mentalité antillaise par rapport à des choses bien précises. Ouais. Derrière ce grand sexe, il y a un cœur quand même qui bat. Dedans, dans le sexe. Derrière ce petit cœur, il y a un grand sexe qui bat. Parce que justement, vous avez une carrière... Ça me fait rire, ça. Vous avez une carrière que vous aimez qualifier de sexceptionnelle. Ouais. Sextraordinaire. Sextraordinaire. Et quand faut qu'il s'exprime, le s'exprime. Là, je vous laisse. Ah, ça fait du bien. Mais j'imagine que vous avez connu beaucoup de galères, des trahisons. Ben oui, des 45 échecs. Ans de carrière, on fait ça cette année. Et oui, alors justement, ans. Vous avez fêté ça alors à ouais. Damary-les-Lys, ouais. Le 14 septembre prochain en Seine-et-Marne. Mmh. Donc vos 45 ans de carrière quand même. Hein. Ouais, j'ai bu. Ouais. J'ai débuté en 1974, j'avais 18 ans. Et voilà. Maintenant, cette année, j'ai 63 ans. Écoute, Francky, vraiment, c'était super cool de te revoir. Ouais. Tu reviens quand tu veux. Ce n'est qu'un au revoir, je l'espère. Je te le dis, ce n'est qu'un au revoir. Et le binôme du siècle,
Votre nouveau disque avec Evangeli est disponible. Donc, vas-y, Francky, c'est bon. Voilà, on se retrouve après la pub avec Litteria de Tanguy Pastureau et le winner de la cuve. À tout de suite. Bonsoir, les Terriens du dimanche, re-re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des six mercenaires, Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert, Gilles-William Gonadel et Pierre Lucien. Quel bonheur ce Francky Vincent, je vais vous montrer ce qui s'est passé pendant la pub. Magnéto, Serge. Et maintenant, c'est l'heure des Terriens de Tanguy Pastureau. Comment ça va ? Ça va très bien, et vous-même ? Très bien. Vous cartonnez, là, le moment où vous apparaissez dans l'émission est un pic d'audience. Ah, je ne sais pas. Ben, je n'ai pas accès aux chiffres, moi. Je tiens à vous le dire et je tiens à vous féliciter. Ben, merci, Thierry. Et maintenant, on passe à Pastureau. Excuse-moi. Elle rigole déjà. Thierry, oui. je me sens vieux. Bon, on est deux. Ouais. Ben, quand je vois ce public là, frais, composé d'Apollon aux pectoraux saillants et de dames qui seront concernées par le collagène, mais en 2047, ouais. Je me sens vieux. Donc je vous regarde, vous, ainsi que le reste de l'équipe, et ça va mieux. Ouais, oui, je suis vieux, j'ai 45 ans. Je sais, vous allez me dire, tu les fais pas, mais arrêtez avec ça. Essayez de dépasser mon physique. Je suis pas qu'un objet de désir, qu'on regarde se changer dans sa loge en se léchant les lèvres, je vous ai vu. Hein. Dans ma tête, je suis vieux. Moi, j'ai l'âge d'avoir connu Édouard Balladur en activité, ce qui visuellement donnait la même chose que maintenant qu'il est à la retraite. Quand je lis un bouquin, c'est ce qu'il y avait avant Netflix. C'était pas des épisodes, mais des chapitres. Et le mot de pause, ça s'appelait un marque-page. Et ben, je dois mettre des lunettes de vue. J'ai eu une 205 Junior. J'ai aimé Tonton David. Pour la première fois cette année, je me suis arrêté devant un magasin de chaussures où dans la vitrine, il y avait des mocassins à gland. Et je me suis dit, tiens, sympa les pompes. Et quand j'écoute un album de Carla Bruni, j'ai envie de crier, ouais, rock'n'roll. Non mais moi quand une fille m'attend pour un autographe à la sortie du studio, je me fais plus d'illusions, je lui dis « Ok, comment elle s'appelle ta mère ?» Ce à quoi elle répond « Mais c'est pas pour elle, c'est pour ma mamie, elle vous kiffe, tenez, elle m'a demandé de vous donner son bas de contention, il y a son numéro écrit dessus. Mais moi, je suis assez vieux pour avoir connu 10, 20, 30 marches contre l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme, c'est comme les mollets, plus on marche, plus ça grossit. Mais moi, quand j'étais jeune, on s'en foutait de qui était juif. David et Jonathan, on disait pas « ce sont des juifs », on disait « ce sont eux qui vont me permettre cet été, grâce à leur slow, de contracter ma première blénorragie ». Personne ne disait de Bernard-Henri Lévy « c'est un juif », on disait « c'est un con ». Jamais. Jamais avant, on se définissait par ses origines. Juifs, arabes, portugais, laotiens se mélangeaient. Moi qui ai grandi en Bretagne, on avait quand même deux Normands dans la classe. Et tout se passait bien. Multiculturalisme. Non mais moi quand j'étais jeune, ce look-là, moustache rasée avec le collier de barbe, c'était les profs de français qui étaient comme ça. Pas les types passés par le salafisme. Du coup, on ne comprend plus rien. Moi si je croise Robert Rue, je vais penser qu'il va se faire sauter en criant Staline Akbar. Oui, je suis vieux. Quand j'ai appris que des ministres faisaient le grand débat national sur Twitch,
Je pensais qu'il s'agissait de barres chocolatées. Je me suis dit n'importe quoi, le prochain, ils vont le faire chez Franprix à côté du Benco. Puis un jeune consterné m'a dit que c'était un service de streaming de jeux vidéo. Alors du coup, Édouard Philippe, cette vieille asperge usée, s'est retrouvé à taper la discute avec des jeunes en suite à capuche et basket. Ça donnait l'impression d'avoir un hologramme de Félix Faure dans un clip de Booba. Mais et ils y sont tous passés. Franck Riester, qui est le Jack Lang d'aujourd'hui, mais inconnu. Il est le ministre de la Culture. François de Rugy, le seul écolo qui pense avoir rempli sa mission de ministre de l'écologie, s'y pense une fois la semaine à arroser son ficus. Julien de Normandie, le ministre qui fait en permanence la tête du cul de jatte à qui on apprendrait à faire du skate. Moi, quand je doute de moi, je regarde son visage et je me dis « Yes, bébé, en fait, t'as une grosse confiance en toi, t'es un killer !» Non mais, la Macronie à son top, quoi. Connecté en live sur Twitch. Twitch, marque qui appartient à Amazon, lequel en 2017 a payé en France 8 millions d'euros au lieu des 198 millions qu'ils doivent. Optimisation fiscale. Donc, pour le symbole, le gouvernement aurait dû privilégier une plateforme de chez nous, ouais. Comme Jackie et Michel. Il n'y a que en boîte française. Merci tous. Bon, après tout, c'est une forme de réseau social. Hein. Comme au début de Facebook, on se poque, mais sans les mains. Voir Sébastien Lecornu en petit slip avec Emmanuel Wargon qui lui glisse des billets dedans, ou des pièces jaunes, hein. C'est moins agréable, mais ils sont fauchés, donc ils ont que ça. Mais ça aurait une autre gueule que ces discussions sans fin. Allez, maintenant... Les macronophiles, vous les connaissez, ce sont ces gens qui aiment Macron comme la sangsue aime l'hémophile qui a choisi son étang pour se baigner. Qu'ont-ils fait cette semaine ? Eh bien, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, dit du cochon vide, a voyagé. Il est parti se faire bronzer en Nouvelle-Calédonie à nos frais. On n'avait pas eu le temps de lui prendre une Smartbox pour Noël. Il se l'est offert tout seul. Alors, 24 heures d'avion, plus 12 heures de décalage horaire. À l'arrivée, on le voit, il n'était pas frais. Hein, les douaniers ont cru que c'était sa statue en cire du musée Grévin qui était prêtée par la métropole. Un chien des douanes a immédiatement découvert l'endroit où il avait caché sa boulette de shit, hein, dans ses fesses. Il en a des normales, hein. Donc il a pris 2 grammes avec lui. Mais Kim Kardashian peut faire passer là-dedans 16 kilos de coke, plus des cartouches de club de duty free, plus ses enfants pour éviter qu'ils payent une place dans l'avion. Non mais... Darmanin s'est éclaté, mais c'est à ça que ça sert les RTT. Il s'est déguisé en marin et il a tenu bien fort sa barre de pole dance. Il anime désormais les soirées d'enterrement de vie de jeune fille sous le nom de Géraldo Strip. Ensuite, il s'est sapé tout en blanc, mais il a plus changé de fringue en 48 heures qu'en 2 ans des reines du shopping sur M6. Si on le met comme ça à côté de vous, Thierry, ça fait un drapeau à damier et tous les mecs en voiture démarrent à fond. Puis il s'est dit, Zarma, on est dans les îles, on s'en fut. Et il a sorti sa chemise froissée de son fut, a mis les chaussures bateau qu'ont les bobos au Cap Ferret et a posé avec des militaires, des gendarmes, des matelots. Les gens qui passaient se sont mis à chanter YMCA. Alors Darmanin a enfin visité une savonnerie, hein, voilà. Puis il a rencontré des Kanaks, le peuple originaire de l'île avant que nous on déboule comme des fleurs. Et il a rejoint dans une grande case un type baraqué avec un bouquet de fleurs qu'il attendait sous une corde en train de pendre à une poutre. Et là il a compris pourquoi on lui avait offert un savon. Hein. Ça rappelle quand même le premier jour de tôle quand on vient d'être condamné. Alors Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, bah, est lui resté à Paris, hein, ce qui explique pourquoi il est aussi blanc que la marquise de Merteuil dans Les Liaisons Dangereuses après qu'on l'a poudré. Un type lui a dit « cri-cri, est-ce le réchauffement climatique qui fait que tu t'aères ?» Donc il a donc eh bien, arrangé sa braguette. Hein. Et à tous ceux qui disent que Castaner ne sert à rien, il a prouvé que si, il sert de perche à selfie. Métier d'avenir, puisque les bébés maintenant naissent sans bras. Hein. Or, dans 15 ans, ils voudront faire des selfies. On ne sait toujours pas pourquoi ils naissent sans bras. Hein. C'est le prochain scandale. Alors, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, lui a fêté le nouvel an chinois. 15 jours que ça dure, leur truc, hein, tout ça pour boire. Ces gens étaient faits pour vivre en France. Alors, les Chinois surnomment Griveaux petit dragon qui casse pas des briques. Il a posé avec de jeunes Asiatiques à qui il a donné le numéro de Yann Moix en leur précisant de ne pas lui filer de rendez-vous le samedi en début de soirée parce qu'il bosse. Brune Poirson,
ministre de la Transition écologique, elle a parlé à des jeunes qui manifestaient contre son inaction. Elle leur a dit « Ouais, mais je bosse avec François de Rugy. Dès qu'il parle, je m'endors. C'est pour ça que ça n'avance pas. » Mais c'est à ces jeunes qu'il faut laisser les clés du pays si on ne veut pas aller dans le mur. Chaque vendredi, ils manifestent pour le climat. Ce qui leur permet, un, de manifester pour le climat, deux, de sécher les cours et de prendre le soleil à la cool. Hein, parce qu'en février à Paris maintenant, on a le temps du mois de mai à Malibu. Hein, pour vous dire à quel point la faune est perdue, on s'est même récupéré Pamela Anderson. Alors Brigitte Macron, la femme de Dieu, elle a dit qu'il fallait que les Français se réconcilient. Hein, elle est pour la paix et l'amour. C'est Gandhi avec la coiffure de feu Mireille d'Arc. Alors dans la foulée, elle s'est réconciliée avec déjà un Français, Stéphane Bern, au Champagne. Hein, c'est la réconciliation par le haut. Elle est à deux doigts de proposer d'animer un grand débat national dans un palace de Courchevel. François de Rugy, lui, il a animé un atelier du grand débat national. Seulement, il est moins passionnant qu'une entrecôte du point de vue d'un vegan. Et tout le monde s'est mis à pioncer. Regardez, il a endormi la salle des fêtes entière. Rugy, c'est mesmer. Hein, je pense qu'à terme, ça va être comme le Steel Nox, et il va être délivré que sur ordonnance. Hein, sa femme devra aller le chercher à la pharmacie. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a elle aussi fait un grand débat dans le Calvados où elle a croisé des jeunes qui ne savaient pas qui elle était puisqu'ils sont comme tout le monde. Ah mais attendez, quand vous vous farcissez Vidal, c'est que personne avant n'a voulu venir chez vous. Hein, c'est pas le plan B, ni le plan C, ni le D. En fait, au niveau plan, elle est au-delà du Z. Alors Édouard Philippe, Premier ministre, s'est lui rendu en Bretagne. Il a inauguré une mairie hein, pendant qu'un type jouait de la cornemuse. Sans doute un proche des Gilets jaunes qui voulait tuer ses tympans, puisque la résistance d'un être normal au son de la cornemuse est de 7 secondes. Hein, 2 minutes 20 pour Nolwenn Leroy. Au-delà, elle craque et se met hurler « J'en peux plus de cette région de con, je pars m'installer dans le Berry ». Après le... Le problème de Philippe est évidemment qu'il fait 2m14 et qu'il voit parce qu'il est au-dessus toutes les couleurs ratées des vieilles. Hein. C'est le Yann Arthus Bertrand de la Racine Foirée. Alors ah, Bruno Le Maire, bravo. Enfin, a visité un data center. Ce sont ces serveurs ultra polluants qui servent à stocker les millions de photos de chats qu'on a envoyées dans le cloud. Et il a dit que la France pouvait devenir le premier pays d'accueil des data centers. Wow. Grâce à notre réseau électrique. Nous avons un réseau électrique très fiable, qui fait notre fierté. Ah, c'est vrai qu'on en est fiers. Hein, moi, quand je vais dans d'autres pays, je dis aux gens « je suis français », et ils me répondent « waouh, il paraît que ton réseau électrique est super performant !» Je dis « ouais, c'est du 220 volts, bébé hein, !» C'est idéal si à l'étranger, on veut brancher. Et puis... un mot du président Macron, qui a fait un discours à l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, WACA. Hein, il n'était pas seul à parler, si bien que si on met les deux photos l'une à côté de l'autre, ça fait Waka Waka. Hein, voilà. C'est pas un quinquennat, c'est une danse de l'été. Hein, si Macron bouge son boule, on va parler de nous à l'étranger pour autre chose que l'électricité. Ouais. Allez, maintenant... Il déteste Macron comme Bernie Sanders la retraite bien méritée à l'EHPAD de Miami en Floride. Ce sont les macronphobes. Avec Christian Estrosi, maire de Nice, qui pour le carnaval a tiré des serpentins au flashball. Avec le retour des djihadistes de Syrie, le raid a cru qu'il s'agissait d'un des derniers de Daesh, voulant tout faire péter à la suite de l'éviction de Patrick Sébastien. Il a été maîtrisé. Marine Le Pen a posé avec des enfants. Elle sait qu'Edouard Philippe est sur les 17-25 ans sur Twitch, donc elle récupère les 6-12. Hein, son stage pratique du BAFA a été validé. Elle sera en live sur Gulli le 26, interrogée par Peppa Pig. Alors avec elle, il y a son poulain, Jordan Bardella, un petit tout de 23 ans, le seul homme photoshopé naturellement. Hein, il n'y a rien qui dépasse, pas un cheveu, pas un point noir. C'est le candidat Ariel 2 en 1. Hein, à côté, Cyril Ferraud, c'est Keith Richard des Stones. Le matin, au par erreur, il a sniffé les cendres de son père. Alors Bardella, qui a rendu un hommage aux enfants, les nouveaux copains de Marine Le Pen, en faisant avec ses doigts des oreilles de lapin. Hein, ensuite, il a fait une ronde avec Pandipanda et l'âne trop. Alors Olivier Faure du Parti Socialiste, lui, alors il a ouvert le siège du Parti
parti à des artistes pour une expo. Ils sous-louent le local, bah parce qu'ils ne s'en servent plus. Hein. Si vous avez un anniversaire, une bar mitzvah, une messe noire, n'hésitez pas, ça peut servir pour tout. Hein, dans 15 jours, là-dedans, ils vendent des kebabs. Hein, en général, ces machins-là s'appellent la rose des vents, là, ce sera la rose tout court. Yannick Jadot des Verts, lui, il a fait une conférence de presse. Il avait loué le local du PS, mais les journalistes étaient trois, hein, ce qui pour eux était un succès. Donc ils se sont rabattus sur un troquet. Hein, c'est la catastrophe climatique, mais les mecs boivent des kawa. L'écologie politique a tué l'écologie. Alors le jour de l'apocalypse, ils seront en terrasse en train de boire des spritz. Nicolas Dupont-Aignan lui a invité à un meeting. Éric Zemmour, qui a 15 jours était avec Wauquiez, il passe de l'un à l'autre, il se respecte même plus. C'est un homme facile, hein. Il se comporte comme un Allemand au Cap d'Agde. Alors, comble de la provocation, Dupont et Zemmour se sont produits sur ce qui semble être une femme à burqa. Certes, un peu carrée, mais il suffit qu'elle ait fait du sport. Enfin, Robert Ménard, maire de Béziers, a lancé sa campagne anti-crotte de chien. Alors, dès que vous en voyez une, vous la prenez en photo, vous l'envoyez par SMS et c'est transmis au sous-préfet. Le type sur son 06 n'a plus que des étrons. Hein, quand il veut montrer à des amis une photo de son fils, il dit alors non, hein, ça ce sont les déjections de Rex, un teckel. Là, ah, c'est lui. Ah, non, c'est une crotte. Hein, je me disais que ça lui ressemblait pas. Voilà, ah, c'est lui. Bah, on le reconnaît parmi les autres qui portent un pull. Allez, pour finir, un petit tour d'autres Français qu'on aime, ou pas d'ailleurs. Ce sont les gens d'ici. Avec François Hollande, notre meilleur souvenir, notre amour, notre ami, qui s'est rendu en Guinée avec Michel Sapin, qu'en Afrique on appelle Michel Baobab. Alors Hollande a retrouvé son ami, le président Alpha Condé. Puis il est allé au Mali retrouver son autre ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a deux amis noirs, hein, il peut dire ça si on l'accuse de racisme. Et là, mais c'était très chaud, l'autre a mis sa main sur la main de Hollande, hein, qu'il a laissé faire, c'est le Éric Zemmour des doigts. Hein. Puis Hollande lui a offert son livre. Hein, ce qui, bien sûr, a refroidi Keïta, qui lui a dit « C'est bon, casse-toi la prochaine fois, offre-moi un truc intéressant. Hein, » Il a été expulsé du pays, bien entendu. Mais avant, Hollande, c'est un très beau geste, est allé au chevet d'une petite fille opérée du cœur. Alors la petite, à son réveil, a vu ça, Hollande en Charlotte Bleue. Elle s'est dit « Zut, je dois être morte. Hein, la vie, c'est mieux que ça, c'est forcément l'enfer. » J'aurais pas dû piquer les Kit Kats à la boulangerie. Et là, Hollande et Sapin se sont dit, l'Afrique, c'est chic, on est quand même venu pour kiffer. Et ils se sont pris pour Frédéric Lopez. Ils ont bu du thé dans le désert, affalé sur le coussin du clic-clac de papy, en chaussettes. Un Fennec attiré par l'odeur a accouru. Puis, leur guide s'est allongé entre eux. Hein, ça commence toujours comme ça, le tourisme sexuel. Sapin avait l'écharpe du Camel Trophy de 89. Hollande était plus serré dans son pantalon que Rocco s'il avait tenté la culotte petit bateau taille XS. Rien ne met à l'aise dans cette photo. Enfin, un petit mot de Manuel Valls, qui à Barcelone, c'est très pratique, prend de moins en moins de place. Hein, maintenant, pour ses meetings, on le colle entre un pupitre et un store, hein, comme Kim Basinger dans 9 semaines et demie s'il n'y avait pas eu de budget. Sur ses documents administratifs à métier, Valls écrit contorsionniste. Puis, il a fait le nouvel an chinois. Même en Catalogne, il n'y a pas moyen d'y échapper. La mondialisation est un enfer. Alors Valls était content, ils avaient 3 mètres carrés pour 5. Pour lui, mais c'était le château de Versailles. Bref, ces gens nous font rire, mais ils savent être graves quand la situation l'exige. Contre l'antisémitisme, ils se sont rassemblés des mots d'indignation, des bougies, des petites fleurs, des nanas en fut de lin qui font des petits cœurs avec les doigts, des plus jamais ça. Mais moi, depuis que je suis né, j'entends plus jamais ça. Et vous savez, Thierry, comme je suis vieux. Allez, bisous. Bravo. Wow ! C'était Tanguy Pastureau. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. Et maintenant, on va jouer. Voilà, la semaine dernière, c'est Natacha qui a gagné. Qui remportera le Cerveau d'Or cette semaine ? C'est le winner de l'actu.
comment va s'appeler le parti que va fonder le Gilet jaune Aïk Chaignan, un ancien proche d'Ingrid Levavasseur. Le MIC, le MAC, le MOC, le MOUC. Je suis snob. Le MAC. Ouais, le MAC. Eh oui, le mouvement alternatif citoyen. Il souhaite rassembler la société française le plus largement possible, sans qu'on soit obligé d'être gilet jaune ou pas gilet jaune. Et c'est un garçon très intelligent. Très intelligent, en fait, très beau son gosse, choix de titre, il est pourri. Mac, c'est nul comme... Oh, il y a une clientèle. C'est pas plus mal que... C'est pas plus moche qu'elle France fille, Insoumise. Hein. Ouais, vu ce que vous êtes en train de traverser, c'est plutôt la France Insoumise. Attention, quel métier permet aux hommes de choper le plus sur Tinder? Entrepreneur de pompes funèbres, cuisinier, pharmacien ou chroniqueur télé? Je suis snob. Cuisinier. Non. Pharmacien? Ouais. Ah bah oui, évidemment. Ouais. Va savoir pourquoi. Mais parce que c'est te soigne, parce qu'il t'a les médocs. Parce qu'il a de la dope. Et vous savez ce que c'est pour les hommes? Non. Ils cherchent des femmes architectes. Qui a déclaré « J'ai été élevé avec des assassins dans un immeuble où la moitié des mecs étaient soit camés, soit en tôle » Pierre Lissia. Béatrice Dalle, Sabrina Ouazani, Rachida Dati ou Raquel Garrido. Ça marche pas le truc, là. Je dirais que c'est Béatrice Dalle. Non. Raquel du samedi. Rachida. Voilà. Ah oui, elle exagère un peu, là. Rachida Dati. Ah oui, dans des confessions qu'elle a fait à David l'homme. Information à vérifier. Il faut toujours vérifier. Il n'y a pas moyen de me filmer après que je me targe. Il ne marche pas, le truc. Attention. Comment va s'appeler le prochain film de François Ruffin sur les Gilets jaunes qui sortira en avril prochain? Je le sais, trop facile. Tu le soleil. Dans les t-shirts, dans les maillots. Voilà l'été, voilà l'été. Si Sex and Sound. Alors comment on va s'appeler? Comment il va s'appeler? Alors, ce film? Je veux du soleil. Bravo. Je crois que c'est un film avec beaucoup d'émotions. Il paraît que c'est un navet. Le point est que c'était un navet. Qu'on peut dire en tous les cas, navet ou pas, c'est que les droits d'auteur seront reversés au Secours Populaire. Absolument. Ce qui est déjà pas mal. Dans une interview donnée au journal Libération, qui a déclaré « La pauvreté peut expliquer la violence, mais ne l'excuse pas. » Édouard Philippe, François Berléand, Caris ou Bernard Arnault. Je suis snob. Bernard Arnault. Non. Caris. Ouais. Ah ouais? Oh bah oui. J'allais le dire. Tu savais? Caris, il est gonflé parce que lui, il a fait preuve de violence alors qu'il n'est pas pauvre. Mais... Donc, je, d'où il parle? Votre ouais, lieu de sauter. Mais, non, franchement, il semble oublier qu'il a été agressé. Par Bouba? Ah, t'es Caris plus contre Bouba, toi? Ça se discute. Non, mais Gilles William Grenadel, il est dans le camp Caris. C'est son avocat. C'est vrai? Non, pas du tout. Pas du tout. Qui va bientôt incarner Simone Veil au cinéma? Marion Cupillard. Je reprends le terme. Mais, bien, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Son vrai nom. Son vrai nom, attendez. Valérie Le Mercier. Elsa Zilberstein. Ou Lambert Wilson. Je vais dire Elsa Zilberstein. Bravo. Mais évidemment, maintenant. Putain, Pierrot. Mais non. Le film sera réalisé par Olivier Dahan, ouais, le réalisateur de La Môme. Ouais. Bravo, hein. Voilà. Qui est ce garçon de 6 ans? Le plus jeune pasteur évangéliste des États-Unis. Le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Un étudiant d'Oxford. Ou le fils caché de Gilles William Golnadel. Est-ce que vous êtes con? Mais arrête de taper. Dirais, c'est quoi ton ça truc rien, pour avoir le titre le premier? Bon, alors on y va. C'est moi qui ai le droit. Mais pourquoi? Je dirais que c'est le plus jeune pasteur. Mais évidemment, non. Évangéliste. Je suis snob. Non. J'ai tellement envie de dire le fils caché de Golnadel. Mais dis-le, t'as gagné. Mais non, ça t'est passé devant. Pour une fois que mon truc marche, alors, ben je vais vous dire, c'est un étudiant d'Oxford. Et voilà. En quoi? Il s'appelle Joshua Beckford.
Il a 6 ans et il est le plus jeune du monde. Bravo, mon gars. Et en quoi c'est incompatible avec le fait d'être mon fils? Ah, mais j'ai pas dit ça. Alors... Hey, sauf qu'à 2 ans, il savait déjà lire. Ah, ah oui. Et toi, tu savais pas. Et il souffre d'autisme. En fait, je pense que. Ah, il est Asperger. Ah, il est Asperger. Ouais. Asperger. Ouais, ça, c'est... Alors, c'est beau, qui remporte? C'est Pierrot. Le cerveau d'or. Pierrot! Bravo. Pierrot! Ça fait si longtemps. Voilà, c'était les Terriens du Dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. Rendez-vous samedi à 19h pour le best-of des Terriens du samedi. Passez une bonne semaine. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.